Soma Biblia. Daniel chapitre 9. Daniel sura ya 9. Je vais lire le verset 24. Tasoma le 25. Tasoma mustari yake ya 24, mom tasoma 25. Et à la fin en 27 on va lire ensemble. Kisha 27 tasoma pamoja. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et les prophètes et pour oindre le saint de saint. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines, les places et les fossés seront remplis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un Noin sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et les sanctuaires, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Les dévastateurs commettront les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur les dévastateurs. Amen. Amen. Nous prenons Jean chapitre 4. Je lis 20, vous lisez 21, ainsi de suite. À 24, on va lire ensemble. À 24, on lira ensemble. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Allons-y. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Amina. Prions le Seigneur. Les nations se disloquent. Israël se révèle. Les signes que le prophète prédit. Des gentils comptés encombrés d'heureux, bientôt sera l'éternité. Les jours de la rédemption et proche. L'esprit, ta lampe, l'éclair, oh, oh.
Les faux prophètes trompent. Il est la vérité. Saint Jésus-Christ est notre Dieu. Yo.
Jésus-Christ, la lumière du monde. Ce matin, nous sommes venus t'adorer. Nous sommes venus t'écouter. Nous sommes venus rester dans ta présence. Brille autour de nous. Brille au-dedans de nous. Alors que nous montons tout droit vers Sion, de révélation en révélation, de perfection en perfection, remplis nos lampes d'huile, afin que Seigneur se réveille dans nos cœurs, ne puisse jamais diminuer, que cela continue davantage, alors que Israël est en train de se réveiller. Les nations se disloquent. Accorde-nous à être scellés, à être marqués, afin que Dieu Tout-Puissant y ait un changement radical dans la vie des frères, dans la vie des sœurs. Que ta présence amène le Saint-Esprit dans le cœur de chacun. Que ta présence apporte la guérison divine ce matin. Que ta présence apporte la bénédiction ce matin. Que ta présence apporte la joie ce matin. Que ta présence apporte la paix ce matin. Laisse que l'onction des saints de saints puisse amener le travail à la perfection. Ne laisse personne sortir comme il est venu. Bénis-nous, ô Dieu. Répands ta grâce sur nous ce matin. Bénis ceux qui sont venus. Bénis ceux qui sont en chemin. Et bénis ceux qui suivent en ligne. Au nom puissant de Jésus. Que ton onction se saisisse de tout un chacun. Que les choses changent. Parle-nous de cœur à cœur. Nous faisons confiance en toi alors que nous t'abandonnons ce culte. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Soyez-vous. Katie. Nous sommes en train d'essayer de clôturer ces enseignements sur les 70 semaines de Daniel. Tukuna maliza ima fundisho kuhusu mawiki sabini ya Danieli. La parole ne termine toujours pas. Neno imalizika ke kina mara. Dans les 700, il y aura encore d'autres choses qui vont s'ajouter. Mumiuri saba, mutakuwa bitu ingine, bita uongeze kika kui. Alors, j'aimerais que chacun ce matin soit vraiment attentif. Alafu natamani asubuhi ya leo kila mmoja akue msikilivu. Nous sommes bien fixés sur la 70e semaine. Tulipangwa vizuri kabisa pa ile wiki ya sabini. Les 69 semaines. Ile mawiki 69. Comprend la période qui va de la promulgation de la loi pour rebâtir les temples et la ville. Inaanza mwakati ile balileta sheria njua kujenga ekalu mtauni. Jusqu'à la venue du Messie. Inaenda kufika paka na kujiwa Masia. 69 semaines sont écoulées là. Miaka 69 inapita pale. Les semaines prophétiques. Mawiki sabini. Les semaines prophétiques. Mawiki ya kinabi. Qui font 483 ans. Il est nafanya miaka mia ine samanini na tatu. Et la dernière semaine commence depuis l'arrivée du Messie. Na ile wiki ya mwisho inaanza tangia pale Masia alikuya. Il a œuvré 3 ans et demi, c'est-à-dire la moitié de la semaine. Alitumika miaka tatu na nusu, manake sehemu ya wiki. Et Loan était retranché. Na ule mpakaliwa aliondolewa. Selon la prophétie. Kulingana na unabii. Les 3 ans et demi restants. Na ile miaka tatu na nusu iliyobakia. C'est exactement les 1260 jours. Kabisa kabisa ni ile masiku 1260. De la prophétie des deux témoins. Ya unabii ya bali bashuda bawili. Eli et Moïse. Elia na Musa. Israël. Mu Israeli. Ce sera une période de 42 mois, 1260 jours. Itakuya ni wakati wa miezi 42 masiku 1260. C'est là-bas que Frère Branham a placé ça. Ni kule njo ndu Branham alipanga ile. Il
Ils seront là-bas des témoins. Watakuwa kule washuda. Pour témoigner du message. Kwa ajili ya kushuhudia ujumbe. Et après, le Christ va se manifester. Na osa 44. Kisha Kristo atajionekanisha kwa wale 144. Il y a des choses qui ont été dites tout au long de l'enseignement. Kuna mavitu iliyosemwa mu wakati yote ya mafundisho. Par rapport à l'adoration. Kulingana na kuabudu. On va fixer ce matin. Alafu asubuhi ya leo tutaleta mwanga. Parce que l'onction du saint des saints. Kwani ile upako ya ule mutakatifu wa batakatifu. N'est pas venu en vain. Aikukuye tu bia bule. C'est réellement pour wendre. Kweli kweli ni kwa ajili ya kupakala. Et je crois de tout mon cœur. Na moyo yangu yote mimi naamini. Que ton âme sera loin ce matin. Ya kwamba nafsi yako itapakaliwa asubuhi ya leo. La discussion de Jésus avec la femme samaritaine. Mazungumzo ya Yesu na ule mwanamke msamaria. La femme a dit à Jésus. Mwanamke ule alielezea Yesu. Que nos pères ont adoré sur cette montagne. Ya kwamba wababa yetu waliabuduaka pai mulima. Mais vous les Juifs, walakini nini wa Yahudi, vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem. Muku nasema inatakiwa kwenda kuabudu ku Yerusalema. Et le Seigneur a pris la parole. Na bwana akachukua neno. Il dit, femme, crois-moi. Na kamwelezea mwanamke unyamini. L'heure vient. Sa inafika. Ça ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem. Aitakuwa wala pai mulima wala ku Yerusalema que vous adorerez le Père. Kule mutabudu baba. Il dit vous. Kwala ansema mweye. Vous adorez ce que vous ne connaissez Mukuna pas. Budu kitu kile amujue. Et quand on adore ce qu'on ne sait pas. Na wakati unabudu kenya ujue. Il faut pas attendre d'être exaucé. Aibidi uongoje upate jibu kwa maombi yako. C'est difficile. Inakuwa nguvu kabisa. Il dit mais nous. Asema kwa lakini sisi. Nous connaissons ce que nous adorons. Tunajua kile tukunaabudu. Car le salut vient des Juifs. Kwani okovu inatokea ni kwa Yahudi. Les Juifs adorent le Créateur. Bayahudi banabuduaka ni muumbaji. Le Père. Baba. Dans leur discussion. Mumazungumuzo yabo. Il a beaucoup insisté sur l'adoration du Père. Alikazia kabisa pa mambo ya kumwabudu baba. Et il reprend, il dit l'heure vient. Na ananzulula nasema sa inakuja. Hein? L'heure vient. Sa inakuja. Elle est déjà venue. Na ile sa irishafika. Où les vrais adorateurs. Où il est ça? Babudu babia kweri. Ce matin, j'ai besoin de voir des vrais adorateurs. Asubuhi ya leo ni lazima ya kuona babudu babia kweri. Pas seulement un adorateur superficiel. Apana ule mwabudu wa yulu yulu. Mais les vrais Walakini, adorateurs. Wale wabudu wabia kweli. Ça, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Ii, ni bwana Yesu nje konasema. Il dit les vrais adorateurs. Wale wabudu wabia kweli. Adoreront le Père. Watamwabudu baba. En esprit. Katika ro. Et en vérité. Na katika ukweli. Et ce sont là les adorateurs Anasema, que Dieu cherche. Bale, que le Père demande. Njo babudu bavile Mungu kuna tafuta ni bale babudu bavile babe kuna omba. Et il conclut, il dit Dieu est esprit. Na anamaliza mkusema Mungu ni roho. Et ceux qui l'adorent. Na bale beko na mwabudu. Doivent l'adorer en esprit et en vérité. Banapasha kumwabudu katika roho na katika ukweli. La vérité. Ukweli. C'est la connaissance de la parole. Ni ujuzi ya neno hii. Vous devez l'adorer par rapport à la connaissance de la parole. Unapasha kumwabudu kulingana na ujuzi wa neno. N'adorez pas seulement pour adorer. Ushabudu tu kwa ajili ya kuabudu. Et tu dois être en esprit. Na unapasha tena kuwa katika roho. Et dans l'adoration, il faut écarter le charnel. Mukuabudu inapasha kondoa bia kimwili. Pénétrer en esprit. Ingia katika roho. Et adorer le Père. Na umwabudu le
Baba. Peu importe la forme qu'il prend, adorer le Père. Aizuru nsula yoyote ile baba na chukua, umwabudu paka yeye baba. Amen. Amina. Dans la divinité de Jésus, prêché en 49, Branham dit. Mubumungu bwa Yesu ile alubiri mu mwaka wa 49, Branham anasema. Maintenant. Sasa. Ce matin, asubuya leo, je parle de la divinité de Christ. Niko nasemea kuhusu bumungu bwa Kristo. Pour que vous sachiez, ili mupate kujua, qui est celui que nous adorons aujourd'hui. Ni nani ule tuko na budu leo. Il ne s'agit pas d'un bébé dans une crèche. Aiko mwana mchanga katika zizi. Ni de Père Noël. Wala Baba Noeli. Mais kwa lakini, nous adorons les dieux tout puissant. Tuko na mwabudu ule Mungu mwenye enzi. Dans la divinité de son fils. Ndani ya bumungu bwa mwana wake. Faut très bien saisir ça. Inatakiwa kuyelewe mzuri. Le Dieu que nous adorons uyu aujourd'hui. Mungu uyu tuko na budu leo. N'est pas un bébé dans une crèche. Ashina mwana mchanga katika zizi. C'est comme le Jésus des catholiques. Ikusavile ule Yesu wa bakatolo. Qui est bébé chaque année. Ule kila mwaka. Eko paka mwana mchanga. Parce que si vous ne faites pas attention, vous aurez la foi catholique avec des brochures. Njou kama ukebe ange, utakuwa na imani ya kikatolo na bitabu ya Branham. Nous n'adorons pas cet enfant dans la crèche. A toi boudou ou le mwana mchanga katika zizi. Jésus, Yesu, ne demeure pas stagnant. Ashibaki et tout fashimo ya pana. Jésus, Yesu, je vais y arriver. Tafiki yako. J'aimerais ici commenter un peu cette citation. Hapa natamani nifasirie kidogo hii andiko. Combien savent que Adam était Dieu? Bangapi banajua kasema Adamu alikuwaka Mungu? La majorité. Wengi katikati yetu. Adam était Dieu. Adamu alikuwaka Mungu. Sur la terre. Pabudongo. Mais Eve, kwa lakini Hawa, n'a jamais adoré Adam. Ayawai kuabudu Adamu. Jamais. Atashi kumoya aja mwabudu waka Adamu. Il y a aucun verset qui montre ça. Hakuna hata andiko moyo inaonesha sema au aliabudu Adamu. Que ce soit Eve, que ce soit Adam, tous les deux adoraient le Logos. Ipate kuwa awa wala Adamu wote wawili walikuwa na mwabudu Logos. Combien savent que Moïse était Dieu? Wangapi wanajua ya kwamba Musa alikuwaka Mungu? Les autres ne savent pas, ils comprennent rien. Bengine abajue, abaelewe kitu. La Bible dit Moïse était Dieu. Biblia njo inasema Musa alikuwaka Mungu. A majuscule même. Tena Mungu kwa herufi kubwa. Mais jamais les enfants d'Israël n'ont adoré Moïse. Kwa lakini kamwe watoto wa Israeli hawajawahi kuabudu Musa. Quand Dieu fait d'un homme Dieu, wakati Mungu anafanya mtu anakuwa Mungu, ce n'est pas pour que cet homme là soit adoré. Haiko ya kusema banje kuabudu ule mtu ule. C'est donner à cet homme une certaine autorité. Ni kumpatia ule mtu mamlaka fulani. Un certain pouvoir. Uwezo fulani. Combien croient sincèrement que Branham est Dieu? Na unyofu yote hapa, bangapi banaamini kwamba Branham ni Mungu? Si tu ne veux pas croire, alors tu ne comprends rien du message. Kama upende kuamini, maana yake awelewe kintu ataki moya mujumbe. Nous, chez les gens qui ont le Saint-Esprit, on ne peut jamais adorer Branham. Chez watu wale tuku na Roho Mtakatifu,
Atuwezi kamwe kumwabudu Branham. Nous savons de quelle manière Dieu a fait de lui Dieu. Tunajua namna gani Mungu alimfanya yeye Mungu. Parce qu'il y a un Dieu qui oint un Dieu. Kwani kuko Mungu ule kuna pakala mafuta Mungu mwingine. Oh Dieu, ton Dieu t'a oint. Eh Mungu, Mungu wako anakupaka mafuta. Le Dieu là qui est oint là. Ule Mungu ule banapakala mafuta ule. Dépend du Dieu qui est l'onction. Analingana na ule Mungu eko upako. Est-ce que vous comprenez? Il y a la divinité d'Adam, kuko bumungu bwa Adamu, la divinité de Moïse, bumungu bwa Musa, la divinité de Branham, bumungu bwa Branham, la divinité de Elrash, bumungu bwa Elrash, la divinité de toi et de El, bumungu bwako na bwake. Ce sont des divinités qu'on n'adore pas. Ni maumungu ile ababutuake. Mais nous adorons le Dieu Tout-Puissant dans la divinité de son Fils. Walakini tuko na budu Mungu mwenyezi ndani ya Mungu bwa mwana wake. Son Fils Colossiens premier. Mwana wake wa Kolosia sura yake ya kwanza. L'image du Dieu invisible. Ile picha ya ule Mungu asiyeonekana. Jésus de Nazareth. Yesu wa kunazareti. On n'adore pas vraiment Jésus de Nazareth. Waboudou kabisa kabisa tu ou le Yesu wa kunazareti. Mais nous adorons le Dieu Tout-Puissant. Lakini tukuna boudou ou le Mungu mwenye enzi. Dans la divinité de Jésus de Nazareth. Tani abu Mungu ba ou le Yesu wa kunazareti. C'est-à-dire quand nous adorons le Père, nous savons que sa forme et son image, c'est l'homme de Galilée. Manayaki. Tunabudu baba tunajua kwamba umbo wake sura yake ni ule mtu wa kugalilea. Sawa? Shanyelewa? Sawa? Shanyelewa? Faut bien comprendre la base. Inatakiwa uelewe mzuri msingi. Parce que quand tu me trouves dans le firmament, là tu as des vertiges. Kwani ukinikutanisha katika anga pale wewe unapata kijungu jungu. Mais voilà le fondement. Walakini hii njo musingi. Elrash comme William Branham, nous adorons le Père. Elrash na William Branham weko na abudu baba. Le Dieu Tout-Puissant. Ule Mungu mwenye enzi. Le propriétaire du nom Jésus-Christ. Mwenye na ile jina Yesu Kristo. Et cette adoration se fait dans la divinité de son Fils. Na kule kuabudu kunafanizika ndani ya Mungu bwa mwana wake. Je peux dire Branham est Dieu, je peux pas adorer cette divinité là. Naweza kusema Branham ni Mungu, je peux pas adorer cette divinité là. Naweza kusema Musa ni Mungu, Yesu kuabudu ile Mungu ile. La seule divinité adorable c'est Jésus de Nazareth. Mungu bumoya bule buku na abudiwa ni Yesu wa Nazareti. La forme de Dieu le Père. Sula ya ule Mungu baba. C'est pourquoi Branham finissait parfois la prière au nom de Jésus de Nazareth. Branham wakati ngina kwa namaliza maombi mujina ule Yesu wa kunazareti. La parole fait chair. Neno iliyodifanya mtu. Lui Jésus. Yeye Yesu. Ne demeure pas stagnant. Ashibaki etupaka fashimoya. Parce que frère Branham dit, Kwanindoku Branham manasema, Jésus qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Yesu Kristo ni sawa sawa leo jana na hata milele. À l'exception du corps physique. Mukutoshako ile mwili yake ya minofu. Le corps physique. Il est mwili yake ya minofu. N'est pas le même hier, aujourd'hui et éternellement. Aiko sawa sawa leo jana na ta milele. Le corps né de Marie. Il est mwili liozarika kwa Maria. N'est pas le même hier, aujourd'hui et éternellement. Aiko sawa sawa leo jana na ta milele.
Si vous comprenez bien le message, comme on a élevé Muzuri Ujumbe, tu vas savoir utajua que ce que ce corps Jésus était hier, ya kile ile mwili Yesu ilikuwaga jana, ce n'est pas ce qu'il est aujourd'hui. Aiko tena kile ile mwili iko leo. Et ce n'est pas ce qu'il sera demain. Na iko tena kile ile mwili itakuwa kesho. Mais l'esprit. Kwa lakini ile ro. La qualité. Ile alibora. Les œuvres. Ile matendo. C'est le même. Ni yo moya moya. J'aimerais que tu lèves la main et dises amen. Natamani unywe mkono useme amina. Parce que la confusion vient lorsque vous voulez garder le corps Jésus le même hier, aujourd'hui et éternel. Wani muvuruko unakuya ni wakati unatamani uchunge ile mwili ya minofu ya Yesu ikue sawa sawa jana, leo na hata milele. C'est comme si ça ne rentre pas bien. Donnez-nous cette citation là. La séance de discorde. Ça ingie muzuri. Mutupatie ile andiko mbe ko ya utenganisho. Paragraphe 30. Kifungo yake ya 30. Semence de discorde. Beko ya utenganisho. C'est quand vous comprenez ça, c'est fini. C'est ça la clé. Wakati unaelewa ile basi kunaisha ile njo mfungulo. Semence de discorde. Ile mbeko ya utenganisho kifungo yake ya 30. Quand un homme wakati muntu se tient là anasimama pale et dit qu'il est prédicateur de l'évangile na anasema eko mubiri wa injili et qui déclare que les jours des miracles sont passés. Kisha eko natangaza sema siku ya miujiza ilishakapita. Ça c'est la semence de discorde. Hii ndio yeko naita mbeko ya utenganisho. Amen. Amina. Les jours des miracles n'est pas passé. Quelqu'un qui dit ça, siku ya miujiza haijapita. Ile semence de discorde. Mtu akisema ilishapita eko mbeko ya utenganisho. Il continue. Anaendelea. Quand un homme se tient là, wakati mtu anasimama hapa, et qu'il dit qu'il est ministre, na anasema eko mwanahuduma, pasteur, mchungaji, d'une église quelque part, wa kanisa moja hivi fasi fulani, et qu'il ne croit pas, na ashamini, que Jésus-Christ est le même. Ya kwamba Yesu Kristo ni sawa sawa. Dans les moindres détails. Ata mutuma bitu tudoko tudoko. À l'exception du corps physique. Mukutosha komwili yake ya minofu. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Yule yule yana leo na ata milele. Ça. Hii. C'est la semence de discorde. Nimbeko ya utu. Tenganisho. Je vais attendre un gros amen. Sema ki amina ki nene. Si quelqu'un se dit ministre, kama mutu anadiita mwana huduma, il se dit anadiita. C'est ce que Branham parle. Nikile Branham anasema. Il se dit ministre. Anadiita mwana huduma. Dans la conséquence, c'est qu'il ne l'est pas. C'est lui qui s'est dit. Ashina mwanahuduma. Niye mwenye njoko nadiita mwanahuduma. Qui s'est dit ministre. Anadiita mwanahuduma. Pasteur. Anadiita mchungaji. D'une église. Wa kanisa fulani. Quelque part. Fasi moja hivi. Et qu'il ne croit pas. Kisha ashamini. Que Jésus-Christ est le même. Ya kwamba Yesu Kristo ni sawa sawa. Hier, aujourd'hui, éternellement. Dans le moindre détail. Adi mumabitu yote ya kidoko kidoko. À l'exception du corps physique. Mukutosha ko ile mwili yake ya minofu. Voilà une semence de discorde. Tazama ule ni mbeko ya utenganisho. Quand quelqu'un garde le corps Jésus hier, c'est le même. Aujourd'hui, c'est le même. Anachunga. Demain, c'est le même. Le corps.
Il est mouillé à Yesu. Yana ni yomo ya moya. Leo ni yomo ya moya. Milele paka yomo ya moya. Il est mouillé à Minofu. Ule ni mbeko ya utenganisho. Le corps physique de Jésus change. Mwili ya minofu ya Yesu iko na badirikaka. Ça change. Inabadirikaka. Il peut aller du corps à la lumière. Neza kutoka ku mwili ya minofu inende na kuwa nuru. De la lumière. Neza kutoka ku nuru inachukua nsula ya nduku moya katikati yetu. C'est le même Jésus. Ni paka ule Yesu moya moya. Mais quand toi tu veux voir seulement le corps là qui a marché à Nazareth. Wakati wewe unapenda kuona pake la mwili moja moja ya Nazareth. Uko mbeko ya utenganisho. Il s'agit bien du même Jésus. Kweli kweli ni paka ule Yesu moya moya. Mais le corps là n'est pas le même. Lakini ile mwili haiko yo moya moya, mwili yo iko na badirikaka wakati yote. Quelqu'un dit amen. Sema amina. Est-ce que quelqu'un peut se rassurer que aujourd'hui dans ce temps de la fin il a vu Jésus? Eti unaweza kuwa na hakikisho ya kwamba leo mwili wakati ya mwisho limona Yesu. Nous n'adorons pas cet homme. Uyu muntu sheye atumwabudu. Nous adorons Dieu le Père. Tuko na budu ule Mungu Baba. Dans la divinité de son fils. Ndani ya bumungu bwa mwana wake. Mais aujourd'hui voilà la forme qu'il a prise. Walakini leo mwangalieni sura ile alichukua. Le message est clair. Ujumbe iko wazi. Le corps Jésus change. Il faut retenir cette clé là. Mwili ya Yesu inabadilika. Mwili ya Yesu inabadilika. Mais Dieu ne change pas. Kwa lakini Mungu yeye abadilikake. Merci. Accenti. Laisse-moi te lire les plans, les programmes comme Dieu a classé, comme ça va t'aider. Acha nikusome mapo. Namna Mungu alipanga ile mapo itakusaidia. Question réponse. Swali na majibu. Numéro 4. Namba yake ya 4. 30 64 soir. Ya tarehe ya 30 mwezi wa 8 mwaka wa 64 magharibi. Paragraph 75. Kifungu yake ya 75. No no no. Hapana hapana hapana. Vous êtes Mwiko. Je souhaiterais pouvoir consacrer plus de temps à cela. Vous voyez? Tamani nitole wakati ya mingi kuile. Munaona? L'épouse lorsqu'elle sera enlevée de l'église. Bibi arusi wakati atanyakuliwa kutoka mkanisa. Alors l'âge de l'église se terminera. Pale kizazi kya kanisa kitamalizika. Laodice va dans le chaos. Laodikia itaenda mkuanguka. L'épouse va dans la gloire. Bibi arusi ataenda mutukufu. La vierge endormie entre dans la période de tribulation. Ule bikira aliyelala ataingia mwakati wa mateso kubwa. Commence pour les vierges endormies. Ile naanza kwa ajili ya wabikira waliolala. Pour 3 ans et demi. Kwa ajili ya miaka 3 na nusu. Pendant qu'Israël reçoit sa prophétie. Ule wakati ile Israeli kunapokea unabii yake. Puis la tribulation vient sur Israël. Kisha mateso kubwa inakuwa yule wa Israeli. Et ensuite a lieu la bataille d'Armageddon. Na kisha kunafanizika ile vita ya Armageddon. Qui détruit toute chose. Ile inaharibu kila. Et puis l'époux revient avec l'épouse. Kisha bwana arusi anarudia pamoja na bibi arusi. Pour 1000 ans. Kwa ajili ya miaka 1000. Le règne du millénaire. Utawala kwa miaka 1000. Après cela vient le jugement du trône blanc. Kisha ile njo kuna kuya hukumu ya kiti ya enzi keupe. Après cela apparaissent les nouveaux cieux. Kisha ile njo kunaonekana mbingu mupya. Et la nouvelle terre. Na budongo bupya. Ainsi que la nouvelle ville. Kisha na tauni mupya. Qui descend des cieux d'auprès de Dieu. Ile nachuka toka mbinguni kwa Mungu. L'éternité. Umilele, et le temps na wakati visionne. Binachangana. Il faut comprendre cet alignement des choses. Inatakiwa uelewe mzuri imupango ya bitu. Tel que frère Branham l'a classé. Taka vile ndugu Branham alibipanga. Cela te permettra d'être loin de la confusion. Ile takurusu uwe mbali na muvuruko. Il faut savoir après ça il y aura quoi. Inatakiwa kujua sema il y aura quoi. Kisha hii kutakuwa nini, kisha hii kutakuwa nini, kisha hii kutakuwa nini. Jusqu'à la fin. Paka na kumwisho. Il y a des choses qui s'accomplissent. Kuko bintu bile biku natimizika. Dans les domaines spirituels. Mukipande ya kiroho.
qu'il ne faut pas mettre ça dans des choses naturelles. Bile aipache mkomu bichange muibitu ya kimwili ya kiasili. Sinon vous fauchez les plans. Utarbisha mapo yote. Branham parle. Branham anasema. Nous qui sommes déjà enlevés là. Shebale tayari tulisha nyakuliwa. Nous sommes déjà enlevés. Tayari tulisha nyakuliwa. Pas que nous serons. Anasema tutanyakuliwaka. Mais cet enlèvement prendra fin. Lakini iku nyakuliwa itamalizika. L'épouse va réellement quitter l'église. Bibi arusi kweli kweli atatoka mkanisa. Elle va partir. Ataenda. Et après, quand l'épouse part, na kisha ile wakati bibi arusi anaenda, la vierge folle, ule bikira pumbafu, commence la tribulation. Ananza kupitia mumatesto. Au même moment, mwile wakati mwamoya ile, Israël reçoit sa prophétie. Israël unapokea unabii yake. Élie et Moïse quittent chez les gentils comme je lis ici. Élie na Musa wanatoka kwa watu wa mataifa paka hivi nilisoma hapa. Ils rentrent là-bas. Wanaenda kule. En train de témoigner les messages. Weko wakishuhudia ujumbe. Pendant 3 ans et demi. Miaka tatu na nusu. 3 ans et demi, c'est 3 ans et demi. Miaka tatu na nusu, ni miaka tatu na nusu. C'est pas comme un frère essayait de me calculer. Il dit non, c'est 63, 65. Mutukutoka mumwaka wa 63 kufika 65. Même si on n'a pas étudié les mathématiques ordinaires, élémentaires. Ya chini, ya kumwanjo. 63, 64, c'est un an. 64, 65, c'est 2 ans. Kwenda 64 ni mwaka moja. Utoa 64 kwenda 65 ni miaka mbili ko pale. 3 ans et demi, c'est 3 ans et demi. 1260 jours. Masiku 1260. 42 mois prophétiques. Miezi 42 ya kinabii. Parce que cela est inclus dans la 70e semaine. Wan ile ko ndani ya ile wiki ya 70. La dernière partie. Ile sehemu ya mwisho. Parce que Jésus a fait 3 ans et demi. Miaka 3 na nusu. Il a été retranché. Ari ondolewa. Il reste 3 ans et demi. Miaka 3 na nusu. Pendant que l'épouse Mwakati le bibi arusi a disparu de la terre, Alisha potea pa budongo. Élie et Moïse prêchent là-bas le message. Beko na ubiri kule ujumbe de William Branham. Ya William Branham avec des preuves scientifiques. Na makikisho ya kisiansa. Toutes ces photos. Ima picha yote hii. Ils disent aux Juifs. Beko na eleze ya Bayahudi. Quand vous avez rejeté ce Messie, wakati il est allé là-bas. Uyu Masia aliendaka kule. Il est devenu un homme chauve. Ya mutu wa riba la. Et ça 44,000 vont accepter. Wale laki moja 44 watakubali. Ils vont accepter la véritable expiation. Watakubali ile maondoleo ya nzambi ya byakweri. 3 ans et demi. Miaka 3 na nusu. Là les vierges folles qui avaient refusé d'avaler de mystère. Pale wa bikira pumbafu wale walikatalaka kumeza masiri. Passe par la grande tribulation. Weko na pitia mumateso kubwa. Ça c'est le programme de Dieu. Ini mapo ya Mungu. Le plan de la rédemption. Mapo ya ukombozi. Rien ne peut changer ça. Hakuna kitu kinaweza kubadilisha hii. À moins que tu comprennes seulement mal chose. Nipaka kama unaelewa vibaya vitu. Mal enseigné. Unafundishiwa mubaya. Ou tu te fais enseignant alors que tu ne le pas. Au unza kutifundisha ile wakati hauna mwalimu. Unatifanya mwalimu hauna mwalimu. Il y a des gens qui se font enseignants, ils ne le sont pas. Kuna watu wale wanajifanya walimu, alors ile wakati au walimu. Il y a une partie de l'écriture ici. Atakuwa na sehemu andiko huku. Qui refuse d'autres parties des écritures. Ile sehemu ya andiko inakatale ma sehemu nyingine ya andiko. Tu lui montres, c'est comme si l'autre là n'existe pas. Hii inaonesha kasa tu vile nyingine haikalakeko. Non. Un enseignement doit être debout dans les types et dans les écritures. Mafundisho inapasha kubakia bwima mu mifano na mu miandiko. Ce que je vous enseigne là, tu es à mesure d'avaler chaque écriture qu'on va te présenter. Tu ne vas fuir aucune écriture. Quand quelqu'un te dit nous sommes dans le millénium, tu dis ouais ouais. Toujours au millénium. Le placement de chaque chose à sa place. Kutiliwa kila kitu pa fasi yake. Après
les 3 ans et demi, Branham dit. Kisha ile miaka tatu na nusu, Branham anasema. L'époux et l'épouse viennent pour entrer dans les 1000 ans. Bwana arusi na bibi arusi wanakuja kwa ajili ya kuingia mwile miaka alfu. Physique. Ya kimwili. 1000 ans, c'est 1000 ans. Miaka alfu ni miaka alfu. Le millénium d'Israël sous Salomon, ce n'était pas 1000 ans. Kutawala, c'était 40 ans. Kutawala kwa miaka alfu chini ya maongozi ya Salomon, haikuwaka miaka alfu. Ilikuwaka miaka arubaini. Le millénium que nous avons par l'introduction du 7e sceau et l'âge d'or, ce n'est pas 1000 ans. Hii miaka alfu tukunayo mukungiza kwa muri wa saba, yenye na kwa kizazi kia dhabu, haiko miaka alfu. C'est l'âge d'or. Ni kizazi kia zaabu. Mais après 3 ans et demi, walakini kisha ile miaka tatu na nusu, une partie de la terre est purifiée par le combat de l'Armageddon. Sehemu moja budongo inatakasiwa kupitia ile vita ya Armageddon. Trésor, ça va? Trésor, kuna nielewa? Edova. Shilale. Ce sont des choses de confusion ici. Ibi ni bintu binaweza uleta mvruko. Faut bien saisir. Il n'a pas choix ou bien lewe mzuri kabisa. L'Armageddon, c'est un combat scripturel. Armageddon ni vita ya miandiko. Qui se fait déjà. Il est tayari, ilisha kuanja, unapita. Il est écrit. Iko yenye kuandikiwa. Il est aussi écrit. Iko pia yenye kuandikiwa. Mais ça finira par la bombe. Walakini ile vita itamalizika kupitia kombora. Et cette bombe là, na ile kombora ile, avec des volcans, na ma volcan na kulipuka kwa budongo, purifier un tiers de la terre. Itatakaswa moja patatu sehemu ya budongo. Parce que le feu de bombe ne va pas purifier la terre entière. Kwani ile moto ya makombora haitatakasa budongo yote mzima. Un tiers. Itatakasa nusu moja patatu. Pour les 1000 ans. Kwa ajili ya ile miaka alfu. Et après les 1000 ans. Na kisha ile miaka alfu. Jugement dernier. Njo hukumu sasa ya mwisho. Là où nous allons délibérer les vierges folles. Kule njo tutakomboa wabikira pumbafu. Là où Christ et son épouse sont ensemble pour juger. Kule njo Christo na bibi arusi wake batakuwa pamoja njo kusambisha. Ça sera à nouveau la transfiguration qui va juger. Pale malengine itakuwa ni kubadilisha kwa nsula njo kutasambisha. Parce que Branham dit. Njo Branham anasema. Toi tu vas juger les mêmes personnes que tu as présenté la vérité. Oui. Utasambisha bantu bamoya bali orioneshaka ukweli banakatala. Ce sont des choses que frère Branham a parlé, il a classé. Ibini bintu ndugu Branham alibisema wazi. Ça va arriver. Bitafika. Il ne faisait pas de blagues quand il les disait. Akwa nafanya michezo wakati alikuwa anasema ile bintu. Il dit c'est ce que l'écriture dit, les saints jugeront. Asema njoo ile andiko inasema batakatifu batasambisha dunia. Les gens verront encore mon visage. Bantu bataona tena paka insula yangu. En train d'insister sur des citations. Iko na kazi ya pamandiko. Et nous allons délibérer les vierges folles. Na tutakombola babikira pumbafu. Pour entrer maintenant à l'éternité. Njo sasa bengi na bo mu milele. Le temps sera fusionné dans l'éternité. Wakati itachangana na umilele. Spirituellement aujourd'hui c'est déjà fait. Mukiro leo wakati ilishachangana na umilele. L'éternité commence ici. Umilele ikunaanzia ni hapa. La vie éternelle. Uzima wa milele. Nous amène à l'éternité. Inakupeleka ku umilele. Mais mon cher, nous lisons encore l'heure. Ndugu yangu tukunasoma saa. Il y a un moment devant là, on ne regardera pas l'heure. Kuko wakati moja kumbele kule atutangalia atena kusa. L'éternité réelle. Umilele ya biakweri. Mufawana me dit qu'une sœur restera sur la montagne en train de clignoter le dos d'un animal féroce. Elle peut faire même 1000 ans là-bas. Pale nduba manasema. Mais il n'y a pas le temps. Dada moja atakuwa kumulima kule eko na bembelesha simba pa mkongo anafuata miaka 1000 pale na kutakuwa tena wakati.
on ne va pas regarder les calendriers. Atuta ngali atena ku calendari. Il y aura plus ces choses là. Akuta kwa tele mabitu aitakuwa kotena. À l'éternité, il y aura pas la nuit. Mumile muumilele amutakuyaka busiku. On sera toujours là dans le jour. Utakuwa pale kila mara katika mchana. N'oubliez pas ça. Mushisabui. Ça c'est le programme de Dieu. Ini mapo ya Mungu. Comment les choses vont se dérouler. Namna gani vitu vitakuwa viko na pitikana. Quand je te dis nous sommes dans le millénaire. Wakati nakweza tuko mu miaka elfu. Nous sommes dans l'éternité. Tuko mu milele. Comprenez le sens. Elewa mana yayo. Amen. Amina. Amen. Amina. Ces choses sont vraies. Ibibintu ni bya kweri. Alors, dans Jésus glorifié, Branham dit quelque chose, paragraphe 32. Mumaubiri Yesu aliyetukuzwa Branham asema kitu moja mule ndani kifungu yake 32. Il dit, lorsque vous acceptez Christ comme votre sauveur. Asema wakati unamkubali Kristo kama mokozi wako. Il y a une chaise préparée pour vous au souper des noces. Kuko kiti kile banakutayarishia kukaramu ya ndoa. Branham dit amen. Branham anasema amina. J'aime cela. Napendaka hii. Prenez place à la table. Chukua fasi kuile meza. Au souper des noces. Kukaramu ya ndoa. Et prenez le souper avec l'agneau. Nakula ile karamu pamoja na mwana kondoo. Amen. Amina. Là, le souper là qui nous dit de prendre. Il dit au temps présent. Anaisema muwakati wa leo. C'est la parole que nous mangeons. Ni neno tu nakula apa. C'est l'agneau. Njo mwana kondo ineno. Pour le souper de noces. Wajili ya chakula ya jioni. Chacun qui est sauvé a une chaise. Kila mmoja ule anaokolewa eko na kiti. Et cette chaise porte ton nom. Na kile kiti kiko na jina yako. Tu as une place dans le souper de noces. Uko na fasi kuile karamu ya ndoa. À l'ouverture de sobra, Branham a dit viens souper. Kufungulivu wa miuri Branham asema kuya ukule chakula ya jioni. Viens souper, le maître appelle. Kuya ukule chakula ya jioni mwalimu yuko nakuita. La table est déjà dressée. Tayari meza ilishapangiwa. Chacun de vous a une chaise. Kila mmoja wenu yuko na kiti chake kumeza ile. Manger. Kuleni. Manger. Kuleni. Les 3 ans et demi, c'est le repos. Ile miaka tatu na nusu ni kule kurudia. Mais la fête de noces. Walakini ile karamu ya ndoa. Même la Bible dit. Ata Biblia nasema. Son épouse s'est préparée elle-même. Bibi arusi wake alijitayarishaka yeye peke. Et les noces de l'agneau sont venues. Na makaramu ya mwana kondo ikakuja. Donc nous mangeons la fête Manaki, maintenant, c'est la parole. Vous savez qu'à la disparition, nous aurons l'état de ses frères de l'autre côté. La théophanie. Et ils ont dit quoi à frère Branham? Ici au ciel, nous mangeons. Amna. Il dit ici nous ne mangeons pas. Mais quand nous retournerons sur la terre, tutarudia pabudongo, c'est le millénium. Ni miaka alfu, nous aurons un corps ni pale tutakuwa na mwili, qui nous permettra il de manger. Tukule. C'est-à-dire au ciel on Manake, ne mange pas la nourriture charnelle. Mbinguni awakule I chakule akimwili. La théophanie mange la parole. Théophanie ayo inakulaka ni neno. C'est pourquoi il dit maintenant déjà nous mangeons les noces. Hapa sasa hapa tayari tukunakula chakula ya karamu ya ndoa. Si tu acceptes Jésus comme ton sauveur. Kama unamkubali Yesu kama mwokozi wako. Tu as déjà une chaise à la table. Tayari uko na kiti kuile meza. Est-ce que quelqu'un se sent à la table? Et tunadisikia kuile meza. Jésus a une table où les saints de Dieu sont nourris. C'est les prophètes. Yesu eko na meza. Kule watakatifu wa Mungu wona kula
Nina bingwa na sema. Non, c'est William Branham la table. William Branham jo il est mezan. Là où la nourriture est placée. Kule bana tia ile chakula. Et toi tu as une chaise déjà. Na weye tayari una kiti ku ile meza. Nous mangeons déjà les noces de l'agneau. Tayari tu una kuria ile makaramu ya mwana kondo. C'est la parole. Ni neno. Branham a dit, il est njo karamu ya ndoa. 3 ans et demi au-dessus de Jérusalem, c'est le repos. Miaka tatu na nusu yulu ya Yerusalema ile ni mapumziko. Exposé des âges. Maelezo ya bizazi. Page 40. Kartasi yake 40. Mais où sera l'église des nations pendant que Jésus se fera connaître à ses frères? Sasa kanisa ya mataifa itakuwa wapi mwakati le Yesu atakuwa unajijulisha kwa banduku yake? Rappelez-vous que mukumbukeni ya kwamba épouse de Joseph bibi arusi wa Yosefu avec les deux enfants na wale watoto yake bawili était dans le palais balikuwa mchumba ya ndani car Joseph avait ordonné kwani Yosefu aleta rusa que tout le monde me quitte bote batoke baende faites-les tous sortir de devant moi toche bote mbele yangu ainsi hivi l'épouse des nations était cachée dans le palais de Joseph bibi arusi wa mataifa alikuwa chakufuchamia mchumba ya ndani ya Yosefu où l'église des nations s'en ira-t-elle dans l'enlèvement kanisa ya mataifa itaenda wapi mkunyakuliwa dans le palais itaingia mchumba ya ndani l'épouse sera enlevée de la terre bibi arusi ataondolewa pa bulongo avant la grande tribulation mbele ya ile mateso kubwa elle sera enlevée bibi arusi atanyakuliwa à la Seigneur dans le air mkutashana bwana hewani pendant 3 ans et demi miaka 3 na nusu alors que la colère de la vengeance de Dieu se répandra mwile wakati kasilani ya kisa ya Mungu itatapanikwa. Et sera au glorieux souper de noces de l'agneau. Bibi arusi atakuya kukaramu ya ndoa ya utukufu ya mwana kondoo. Ensuite elle reviendra. Kisha bibi arusi ataruria. Bito il reviendra. Au ataruria. Se faire connaître à ses frères. Kujijulisha kwa banduku yake. En laissant son épouse dans la maison de son père. Mukumwacha bibi arusi wake munyumba ya baba yake. À cet instant. Mwile wakati. L'alliance antichrist. Agano mpinga Kristo. Que les Juifs auront conquis avec Rome. Ile bayuda, bayaudi watakuwa chafana na Roma. Sera brisé. Itavunjika ile agano. Rome et ses alliés. Roma na wasaidizi wake. Enverront alors leurs troupes. Watatuma vikosi yabo. Détruire les Juifs qui craignent Dieu. Yaribu wayaudi wale wanaheshimia Mungu. Et qui observent la parole. Na wale wako naheshimia neno. Mais comme ils s'en prendront à la ville pour la détruire. Ata vile watashambulia tauni kwa ajili ya kuiteketeza. Un signe apparaîtra dans les cieux. Alama moja itaonekana mbinguni. De la venue du fils de l'homme. Ya ile ujio ya ule mwana avec ses puissantes armées. Na majeshi yake yenye uwezo. Pour détruire ceux qui détruisent la terre. Kwa ajili ya kuharibu wale wako naharibu budongo. L'ennemi repoussé. Ule adui aliyerudishwa mbali. Jésus viendra alors se présenter. Pale sasa Yesu atakuya kujijulisha. Au 144,000. Kwa wale laki moja arubaini na ine. C'est ça le plan. Il est yo mapo. L'épouse cachée. Bibi arusi atafuchama. Jésus quitte maintenant l'épouse. Yesu anamwacha sasa bibi arusi. Oh forme des nations. Oh sula mataifa. Chafunata panea. Oh chafunata panea. Oh anglais. Oh il va abandonner. Atache le mansula yote ile. Il laisse l'épouse cachée. Anamwacha bibi arusi mwenye kufuchama. Elle part se révéler aux 144,000 qui viennent de croire le message par Élie et Moïse. Njo anenda kudifunua kwa wale laki moja arubaini na ine wale wanatoka kuamini ujumbe kupitia Elia na Musa. Ça sera à nouveau Jésus de Nazareth. Pale itakuwa mali ingine tena ule Yesu wa kunazareti. Il sera le masque de Kentucky. Ataacha insula Kentucky pembeni. Il va laisser l'épouse quelque ataacha part. Ataacha bibi arusi fasi moja hivi. Il se révèle au 144,000. Atadifunua kwa wale laki moja arubaini na ine. Et ils vont pleurer. Frère Branham dit le corps là est capable de produire les cicatrices à tout moment. Ile mwili ile kuna uwezo ya kuonesha maalama wakati yoyote.
à la résurrection, il entre dans la maison, il y a un corps qui pouvait percer les murs. Il leur dit shalom. Mais il y a un disciple, le type de juif, il dit pour que moi j'accepte, moi Thomas je vais voir Thomas, les cicatrices de clous. Malama ya vionda misumari. Là la même. Pas les. Comme le corps Jésus n'est pas le même. C'est un corps qui peut changer à tout moment. Là même, il a pris la forme de mal. Pale, akachukua sula ya malama bilonda. Il dit Thomas vient toucher. Asema, Thomas kuya uguse. Et il a touché. Naligusa. Il dit mon Seigneur et mon Dieu. Bwana wangu na Mungu wangu. Il dit à vous les Juifs. Asema, nini wa vous voyez pas ce que vous avez vu. Munamini kwa nini munaona. Qui croiront sans voir les cicatrices. Il peut dire alléluia. Alléluia. Là c'est nous. Nous croyons que c'est Jésus. Même si on n'a pas vu les cicatrices. Je veux que quelqu'un dise amen, 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 amen. Le corps Jésus change à tout moment. Il est mouillé à Yesu inabadirika wakati yoyote. Il va se révéler à eux. Atadifunu akwabo. Et la Bible dit il y aura des deuils. Na Bible nasema kutakuwa birio. Comme dans la vallée de Megiddon. Paka ville sa mubondi ya Megiddon. Chaque famille séparément. Kila familia mkunji yake. Ça va revenir dans les sauts encore avec beaucoup plus de détails. Itaruri ya mumiuri na upana kabisa. Donc Jésus va se révéler. Manake Yesu atadifunua kwabo. Pendant ce temps, mwile wakati, comme dans les types, la femme de Joseph n'est pas là. Paka vile mumifano muke wa Yosefu ashinapo. Tous les Juifs, je le répète. Bayahudi bote nasema tena. Qui ont reçu le Saint-Esprit. Wale walimpokea Roho Mtakatifu. Qui ont reçu le message. Wale walipokea hii ujumbe. Pendant que Branham est là, pendant que l'épouse est là, ces juifs-là ne sont pas les 144 000. Bale Bayahudi abana wale la kimoja arubaini na ine. Sinon tu vas briser les types. Si vio tavunja mifano. Et tu vas anéantir les écritures. Na utangusha miandiko. Ces juifs là. Bale Bayahudi bale. Sont rentrés dans l'épouse suivant le quatrième mystère de Monsieur et c'est le signe de la fin. Banengia ndanya bibiarusi kulingana na ile siri ya ine ya jamani eti. Ni alama ya wakati ya mwisho. Qui dit que l'épouse au temps de la fin. Bibi arusi mwakati wa mwisho. Est composé de juifs et de gentils. Anatungwa mwakati moya na Bayahudi na ba mataifa. Les 10 frères de Joseph. Wale wa nduku kumi wa Yosefu. Qui sont devant Joseph. Wale weko mbele ya Yosefu. Mais Joseph parle la langue des nations. Walakini hata vile beko mbele ya Yosefu. Yosefu anasema paka lugha ya ba mataifa. Mais eux et les 144 000, c'est le petit Benjamin qui lui enflamme le cœur de Joseph. Et Joseph dit à la femme de sortir, que tout le monde des nations sortent. Et il se révèle. Pourquoi les Juifs? Kwa nini Wayahudi? Pourquoi les Juifs ont rejeté Jésus? Kwa nini Bayahudi balimukatalaka Yesu? Dieu était là dedans. Mungu alikuwa ndani ya ile mambo. C'était le seul moyen pour lui de faire échapper l'épouse des nations. Dieu kwa namna moja kwa ajili yake ili aepushe ule mke bibi harusi wa mataifa. Il est mort sur la croix. Alikufaka kumsalaba. Pour sauver la vie de l'église des nations. Kwa ajili ya kuokoa uzima ile kanisa ya mataifa. Or c'est ça 44 000
ne sont pas l'épouse. Ijapo awa la kimoja arubaini na ine awako bibi arusi. Dans Apocalypse 14, Mufunuo kumi na ine, ils sont appelés des vierges. Wanaitu wa mabikira. Et ils suivent l'agneau partout où il va. Na wanamufata mwana kondo pahali pote pala naenda. Les faits qui ne sont, sont pas souillés avec des femmes. Vile abakuji chafule na wanamke. Montre que ce sont des eunuques. Inaonesha kwamba ni watoasi. Les eunuques Atoasi étaient les gardiens des chambres nuptiales. Walikuwa walinzi wa ile chumba ya ndoa. Ils étaient des serviteurs. Walikuwa watumishi. Remarquez, tambueni, ils ne sont pas sur le trône. Awana pakiti ya enzi. Mais devant le trône. Walakini mbele ya kiti ya enzi. Non. Ils ne sont pas l'épouse. Abana bibi arusi. Mais ils seront dans les glorieux règne de mille ans. Kwa lakini batakuwa mukule kutawala kwa utukufu kwa miaka alfu. Comme des serviteurs de l'épouse. Tavile watumishi wa bibi arusi. Pendant le millénium, mu miaka alfu, les 54 000 nous servent. Wale laki moja arubaini na ine weko na tutumikia sheye. Ce sont les eunuques. Wao ni watoasi. Qui garde la femme du roi. Wale weko na mlinda ule muke wa ule mfalme. Le Seigneur les échappe cette frappe de la bête. Bwana na waepusha na ile ma fimbo ya ule nyama. Et il les fait entrer dans le millénium. Na anawaingiza mukutawala kwa miaka 1000. Mais ils ne sont pas sur le trône. Lakini abana pa ile kiti ya enzi. Ils sont devant le trône. Weko mbele ya kiti ya enzi. Le travail que les vierges folles feront pendant l'éternité, c'est ce que les 54 000 vont faire dans les milléniums. Kazile wabikira pumba fuatafanya mumilele, njo kazile la kimoja rubaini na ine watafanya mumiaka alfu. Parce que pendant toute l'éternité, l'épouse est la reine. Elle ne travaille yote, pas. Bibi arusi ni malkia atumiki apana. C'est les vierges folles qui travaillent. Elles font des jardins. Et elles apportent la récolte à l'épouse. Si tu ne veux pas comprendre et avaler des mystères, soyez vierges folles. Tu vas nous servir à l'éternité. Tu vas faire des jardins. Et tu nous apporteras les récoltes. Amen. Amen. Et là où les folles seront, ils auront la nuit, ils auront le jour. Na fasi kutakuwa abikira pumbavu. Boba takuwa na bushiku na mchana. Parce que Dieu créa la nuit et le jour. Mungu aliumbaka busiku na mchana. Mais la cité. Walakini ile tauni. Il n'y aura pas de nuit. Mule amuta kwa bushiku. Parce que l'agneau est la lumière qui éclaire. Ndu mwana kondo njo nuru ikunangaza mwile tauni ile. Et cette clarté. Na ile mwangaza ile. Fait qu'on ne connaît pas la nuit. Inafanya kwamba bushiku abutanja kuingia. Joie éternelle. Fura ya milele. Paix éternelle. Salama ya milele. Pas d'estomac ou de gastrite. Akuna o kifu kuna nyuma, o tumbo kuna nyuma. Pas la tension qui monte ou qui descend. Akuna o tension inapanda inachuka. Pas de famine. Akuna njala. Nous mangerons mais il y aura pas la famine. Tutakuwa na kuria. Njala lakini hatutakuwa na kuria, tutakuwa na kuria paka. Adam mangeait, mais il n'y avait pas de famine. Adam alikuwa anakula. Lakini alikuwa anasikia njala. Branham dit, Branham anasema, il y a un enfer à éviter. Kuko geena ile unapashwa uepuke. Il y a un ciel à gagner. Kuko mbingu ile unapashwa uingie. La vie de l'éternité, c'est une vie à ne pas rater. Maisha ya milele ni maisha ile aupashwe kupusa. La récompense de nos combats sur la Ile terre. Njo maripo ya imamvita yetu ya padunia hii. Le couronnement à la fin de la bataille. Ile njo taji ile ba
na tuvika kumwisho ya mvita. Et cette éternité commence ici. Na ile umilele ikunanzia apa. Quand vous recevez la vie éternelle. Wakati ile unapokea uzima ya milele. Ce tableau là ne le ratez pas. Ile ubao ile usipuse. Ne sois pas seulement dans des choses superficielles. Et le tableau tout entier. Kwa na ile mapo yote mzima. Quand tu déclares les choses, c'est ainsi. Wakati kunasema bintu unajua pale usha kuikaria. On ne va pas te coincer quelque part. Abata kupikia kakononga momo ya hivi. L'union invisible. Mungano isionekana. Paragraphe 30. Kifungu yake ya 30. Cela nous enflamme. Ile inatuwakisha kimbirimbiri. Et nous savons que l'histoire arrive à sa fin. Na tunajua kwamba historia inafika kumwisho yake. L'histoire du monde. Historia ya ulimwengu. Sera bientôt terminée. Hapa karibu itamalizika. Nous entrerons alors. Sasa pale tutaingia. Dans un jour nouveau. Musiku mupya. Le glorieux millénium. Ile miaka alfu ya utukufu. Comme tout croyant, paka savile kila mwamini, je crois à un millénium. Mina mini mukutawala kwa miaka alfu. Un règne de 1000 ans. Kutawala kwa miaka alfu. Avec Christ. Pamoya na Kristo. 1000 ans sur la terre. Miaka alfu pabudongo. Le retour physique du Seigneur Jésus. Kururia mumwili kwa Bwana Yesu. Pour amener un peuple physique, kwa ajili ya kupeleka taifa kimwili, glorifié par son sang purificateur, taifa iliyotukuziwa kupitia damu yake ya utakaso. Un millénium physique, 1000 ans comme ça. Miaka alfu mumwili. Un Jésus physique. Yesu mumwili. Un peuple physique. Taifa mumwili. Il dit, comme croyant, je crois à ça. Mie savile mwamini, mi na mini ile. Moi aussi, je crois à ça. Na mie pia na mini ile. Est-ce que tu es croyant aussi? Et tu n'as pas mwamini? Quand on dit tout du monde millénium, quelqu'un pense, il dit, ça annule les 1000 ans physiques. Non. Na wakati wasema tuko miaka elfu, mtu anafikiri ya kwamba ile inavunja ile miaka alfu. N'ayez pas de petits estomacs qui explosent pendant que les choses sortent. Ushikwe na kakifu kaloko kale kiko na pasuka wakati bintu biko na toka. Il faut avoir un gros estomac. Ina pasho kuye na kabambi wa kifu capable d'avaler kifu tout. Kile kiko na uwezo wa kumeza biote. Cela t'aidera beaucoup. Ile itakusaidia sana. Je vous enseigne à la manière d'être des maîtres, même sur des pasteurs qui ne connaissent pas la parole. Nami fundisha, munamne mwanje kutawala, mutawala tabale bachungaji bale abajue neno. Tu es assis deux pieds dans les choses. Uko mwenye kuikala na mikulu yote mbiri ndani ya bintu. Il n'y a pas une écriture qui va t'effrayer. Hakuna ndiko ile takutetemesha. Surtout pas ça. Hein? Zaidi ile hapana. Une fois de la peur. Wewe unakuwa una kaimani kaboka. Ah no, ah ça. Hapana. Hii hapana. Sois capable d'avaler tout. Kwa na uwezo ya kumeza byote. Bile Branham alisema. N'ayez pas peur des écritures. Ushanze kongopa miandiko ingine. Ah, est-ce que tu l'as? Hapana, ile andiko ile. Ça risque. Ile inaweza kutupeleka. Ça ne risque rien. Haiwezi kutupeleka kukintu. Ce que Branham a dit, c'est la parole. Ile Branham alisema ni neno. Vous allez commencer à donner des citations, dit ça c'est les citations des Utanda kuleta miandiko asema hii ni miandiko ya pale bwana budoka ndugu Branham yeye kumpembe. Depuis quand c'est devenu leur citation? Tangia siku kani ile ilikuwa miandiko yabo. Tout nous appartient. Biote ni bietu. Si eux ils ont utilisé mal une citation, nous on va l'utiliser bien. Kama Bob alitumia mubaya andiko, sisi tutaitumia mzuri.
Mais ce que Branham a dit, voilà, qui on ne discute pas avec ça. Abaki Bishake. Quelqu'un dit amen très fort. C'est ma mina nguvu zaidi. La prédication, les témoins. Maubiri ule mshuda. Washuda. Paragraphe 15. Washuda kifungu yake ya 15. C'est dans sa prière. Ni maombi yake. Père céleste, Baba wa mbinguni, nous te remercions ce soir. Tunakushukuru mangaribi ya leo. Le grand créateur des cieux et la terre. Mumbaji mkubwa wa mbingu na dunia. L'auteur de la vie éternelle. Mutenzi wa uzima ya milele. Le donateur de tout don excellent. Mwenye anagawanya kila zawadi bora. D'avoir envoyé Jésus-Christ. Kwa vile ututumia Yesu Kristo. Ton fils. Mwana wako. Sur cette terre. Paibu dongo hii. Mourir à notre place. Anakufa pafasi yetu. Lui l'aimable. Yeye ule mpendwa. Pour ceux qui ne sont pas aimable. Yote ile iko ya kupendewa. Lui l'innocent pour les coupables. Yeye wasipona kosa kwa ajili ya l'innocent pour les coupables. Wasipona kosa kwa ajili ya mwenye na kosa. Combien nous te remercions de savoir qu'il nous a aimé. Malangapi tunakushukuru ya vile yeye alitupenda. Pendant que nous étions des pécheurs. Mwile wakati chetu tulikuwa baofu. Il nous a donné la vie éternelle. Alitupatia uzima ya milele. Et maintenant nous sommes ses enfants. Na hapa sasa tuko watoto wake. Nous te remercions pour cela. Tunakushukuru kwa ajili ya ile. Et ce que nous serons. Na kile tutakuyaka. Bien sûr à la fin de tout cela. Akika kumwisho ya vyote vile. N'a pas encore été manifesté. Akiaonekana bado. Mais nous savons que. Kwa lakini tunajua ya kwamba. Nous aurons un corps. Tutakuwa na mwili. Semblable au sien. Ya kufanana na mwili yake. Car. Kwani. Nous le verrons tel qu'il est. Tutamuona pak. Ville Seigneur, Bwana, c'est le vif désir de chaque cœur ici. Johnny ya kubwa kila moyo apa. Je le sais. Na yua, c'est de le voir. Ni akumuona tel qu'il est. Paka ville eko. Lui l'aimable. Yeye ule mupendwa. De le contempler. Ya kumutazama. Nous alors l'adorer. Unaweza basi sasa kumwabudu. Le couronner notre roi. Kumuvika na kuwa mfalme wetu. Et lui dit combien nous l'apprécions au cours des âges à venir. Tunamshukuru mbizazi bile biku nakuja. Pendant qu'il sera sur le trône de David. Wakati atakwacha kuikala pakiti ya enzi kwa Daudi baba yake. Il régnera sur cette terre pendant 1000 ans. Atatawala paibu dongo miaka 1000. Lors de ce millénium. Wakati wa ile kutawala kwa miaka 1000. Combien nous aimerons nous tenir quelque part. Namna gani tutapenda kusimama fasi moja hivi. Qu'on me donne juste une place à côté d'un arbre. Banipatie tu fasi pembeni ya muti. Là. Pale. Je pourrais m'asseoir et l'observer. Naweza kuketi na kumtazama. Le regarder. Kumwangalia. Cela me satisfera. Ile itanifurahisha kabisa. Cela me satisfera aussi. Ile itanifurahisha pia. Contempler Jésus. Kumtazama Yesu. Le regarder. Kumwangalia. Lui l'aimable. Yeye mpendwa. Branham dit j'aimerais que je sois à côté d'un arbre. Brahma tapenda nikuwe pembeni ya muti. En train de le contempler. Niko nikimtazama. Le regarder. Mukumwangalia. Dans le millénium. Mumiaka alfu. Cela me satisfera. Il est anifuraisha kabisa. Il dit c'est le désir de tout croyant. Asema ile njo nia ya kila muamini. Si tu es croyant, c'est ton désir. Kama muamini ile njo nia yako. C'est mon désir. Ni nia yangu. De contempler Jésus. Ya kumtazama Yesu. Il dit je serai à côté d'un arbre. Asema takwa pembeni ya muti. Cependant, il y a des gens qui sont en conflit éternel avec Jésus. Ils prêchent avec toute colère que moi je ne verrai plus Jésus. Ils ont raison. Ils ne le verront pas parce que là où eux ils seront, Jésus ne sera pas. Yesu atakuyaka ko.
Ils ont déjà scellé leur destinée. Mais nous les croyants, nous verrons cet homme de Galilée. C'est le désir de tout croyant. Il dit, cela me satisfera. Quand je serai devant les portes de la ville, Yatauni, hein? Ils me diront, tu veux une couronne? Mais je leur dirai, une couronne c'est bien. Taji ni muzuri. Mais montrez-moi. Kwa lakini, munyoneshe. Celui qui mourit pour moi. Ule mwenye alinikufia pafua shiangu. Mon ami du calvaire. Ule rafiki yangu wa ukalivari. Celui qui m'aima le premier. Ni yeye ndio alinipendaga wa kwanza. Mon ami du calvaire. Ule rafiki yangu wa ukalivari. Quand je verrai. Wakati nitamuona. Mon ami du calvaire. Ule rafiki yangu wa ukalivari. Je tomberai à ses tanguka kumikulu yake. Les louanges. Mukumusifu. Les glorifiants. Na mukumutukuza. Alléluia. Hey, alléluia. L'ami du calvaire. Ule rafiki wa calvaire. Ouvrez bien vos oreilles, écoutez-moi. Fungula muzuri masikio yako na unisikilize. Aujourd'hui, Léo, dans cet âge où nous vivons, on ne peut pas voir Jésus de Nazareth. Atuwezi kumuona Yesu wa Nazareti. Aujourd'hui, il est transfiguré. Léo, Yesu wa Nazareti, alisha badirisha nsula. Il est incarné. Alisha dingiza mumbili. Il est personnifié. Alisha difanya muntu. Ça c'est aujourd'hui maintenant. Il est njo leo apa ne sasa. Confondez pas les choses. Ou si vous rushwe bintu. Là dans les mille ans physiques. Kule mumiaka alfu kabisa. L'homme de Galilée. Ule mutu wa Galilea. Mon ami du calvaire. Rafiki yangu wa kukalvari. Je vais le contempler. Tamutazama. J'aimerais le voir. Napenda ni muone. Lui qui a donné sa vie pour moi. Yeye ule alitoa maisha yake kwa ajili yangu. Elle rush on verra Jésus. Oui, on le verra. Elle rush tutamuona Yesu ndio tutamuona. Pourquoi ne pas le voir? Njoani na tutamuona. On va le voir. Tutamuona. Ça sera le couronnement de tous ces combats. Il est enjoué ta couille à taji ya imanvita yotei. Dis à ton ami, ne manquez pas cela. Vous me laissez rafkiak, ou si pousse ibibintu. Je verrai Jésus. Tamona Yesu. Oh, que j'aime cet homme de Galilée. Nampenda huyu Yesu wa Galilea. Parce qu'il a fait beaucoup pour moi. Alinifanishia bia mingi. Il pardonne à mes péchés. Aliruhiaka manzambi yangu. Me remplit du Saint-Esprit. Ananijaza na Roho Mtakatifu. Oh, que j'aime cet homme de Galilée. Huyu mutu wa Galilea. Il faut l'aimer. Inapashwa kumupenda. Il nous a aimé quand nous étions des pécheurs. Alitupendaka pale sisi tulikuwa batenda nzambi. Cette citation, les témoins, vous avez avalé ça? Iandiko washuda mulimeza. J'avale moi. Ah, mie mina imeza. L'eau du rocher. Maji ya kubwamba. Paragraphe 38. Kifungu yake 38. Maintenant, remarquez. Sasa mtambueni. La manne tombait, il mangeait. Mana ikuwa na nyesha, barikuwa na kuria. Et cela était le pain de vie qui le soutenait pendant tout le voyage. Na ile ilikuwa kama mkate wa uzima ilibasaidia msafari yote mzima. Et quand ils sont entrés dans le type du millénium. Na wakati balingia mumufano ya miaka alfu. Dans l'autre terre qui était promise. Mwile bulongo ingine ilikuwa kama ya malako. Comme nous vivre pendant 1000 ans sans la mort. Paka ville tout aisi miaka alfu bila lufu. Lorsqu'ils sont entrés dans cette terre là, wakati balingiaka mwile bulongo ile, alors la manne a cessé de tomber. Pale mana aikwe na nyensha tena. Entre
très beau type. Il est ni mufano nzuri kabisa. C'est comme le Saint-Esprit qui tombe aujourd'hui. Iko paka vile Rome takatifu ko na nyesha leo. Qui est la manne venant du ciel. Rome takatifu njo mana yena tokia mbinguni. Les jours où nous entrerons dans le millénium. Siku ile tutaingia mu miaka 1000. Christ, le fils de David, s'assiera sur le trône de David. Où le Christ, mwana wa Daudi, atekala pa ile kiti ya enzi ya Daudi. Amen. Brahma sema amina. Alors, sasa, nous n'aurons plus besoin du Saint-Esprit. A tuta kwa tena lazima na Rome takatifu. Parce que Christ lui-même sera là. Kwani Christ ye peke atakuwa pale. Dans une forme corporelle. Mumwili ya mutu. Comme le roi Jésus. Le roi Jésus sera là corporellement. Et nous n'aurons pas besoin du Saint-Esprit. Vous savez que nous allons quitter la terre sans le Saint-Esprit. Oui. Ndio. Saint-Esprit sera retiré. Rome takatif batako basha kuitosha bana ibeba. C'est ça, abandonner la forme de l'épouse. Kule kubeba kwa Rome takatif njo kuacha nsula ya bibi harusi. Ça va recomposer ce corps physique de Jésus. Itenda kutunga malengine tena ile mwili ya minofu ya Yesu. Et il ira voir les 144. Na Yesu atenda kuona wale la 144. Dans le millénium, le roi Jésus corporel, il sera là. Mumiaka alfu, Yesu mufalme, mumwili ya muntu atakuwa pale. Et nous n'aurons pas le Saint-Esprit. Na atpale, mumiaka alfu, atutakuya na Rome takatifu. Le Saint-Esprit sert pour le travail. Rome takatifu kuna saidia kwa ajili ya kazi. Scellé jusqu'à la destination. Wanatiliwa muri paka na kumwishwa safari kama gari ya mashua. Et quand ça arrive à la destination. Na wakati nafika kumwisho. Le wagon doit être descellé. Ile gari banapasha kuifungula. Parce que la chose est déjà arrivée à la destination. Kwani ile kitu ilishafika kule ilianza enda. Vous serez déjà devenu la parole. Mutakuya mulisha kuwa neno. Et vous n'aurez plus besoin du Saint-Esprit pour vous aider. Na mutakuwa tena na lazima ya Roho Mtakatifu ili anze kumisaidia. Amen. Amina. Amen. Amina. Le Saint-Esprit c'est jusqu'à ce que Rome takatifu ni paka na pale jusqu'au jour. Paka na kusiku jusqu'à la destination. Paka na kumaelekeo. Voilà. Ndio. Maintenant prenons la face B de citation. Sasa tuchukue sura ingine ya miandiko. Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Yamani, c'est comme si il y a des gens qui connaissent déjà mon style là. Messieurs, Yamani, nous voudrions voir apa sasa, tunapenda tumone Yesu. Tu le veux? Unapenda mone? Paragraphe 16. Kifungu yake ya 16. Ouais. Ndio. J'ai fait une petite remarque presque. Toutes les citations que nous venons de lire, c'est les années 50. Qui sont vrais. Il est miandiko ni ya kweli. Et la plupart de ce qu'il va dire ici, c'est après l'ouverture des choses. C'est-à-dire, il ajoute la connaissance à la connaissance. Ça n'annule pas ce qu'il a dit là-bas. Mais ça donne une vraie équilibre. Toutes ces choses sont des attributs de Dieu. De sorte qu'à la fin de la Bible, Jésus dit, vous connaîtrez que je suis dans le Père, le Père en moi, moi en vous, mimi ndani yenu, et vous en moi. Na mweye ndani yangu. Vous suivez ça? Vous na fata hii? Une unité terrible. Umoja
kamili. Le père dans le fils. Baba ndani ya mwana. Le fils en mwana ndani yenu. Vous en lui. Mweye ndani yake. Il dit, anasema, c'est Dieu devenant tangible. Ni Mungu mukukua wa kugusiwa. Cette unité là, ile umoja ile, c'est Dieu ni Mungu devenant tangible. Anakuya wa kugusiwa. Votre propre femme, muke wako we peke, vous et votre mari, c'est seulement une ombre. We na mume wako ni kimvuri tu. Un négatif de Dieu et de son épouse à lui. Kimvuri ya Mungu na bibi harusi wake. L'église, vous voyez? Kanisa mnaona? C'est seulement la tribu de Dieu qui est montrée. Ni sifa tu ya Mungu inaonekanishwa. Sous forme des ombres et des types. Muali ya bimvuri na mifano. Comme l'Ancien Testament en était un de nouveau. Paka vile agano la kale ilikuwa kimvuri ya agano mpya. Mnaona? Alors à la fin, basi sasa kumwisho, tout ça se rejoint. Biote binaungana. Dieu tangible. Mungu anakuwa kugusiwa. Dieu en Christ. Mungu ndani ya Kristo. Tangible. Mwenye kugusiwa. Fete chair. Mwenye kudifanya mwili. A habité parmi nous. Aliishi katikati yetu. Et dans ce glorieux millénium à venir. Na mwile miaka elfu ya utukufu itakapokuja. C'est Dieu sous la forme de Christ, ni Mungu muali ya Kristo, assis sur le trône de David, mwenye kuikala pa ile kiti ya enzi ya Daudi, et l'église, na kanisa, son épouse, bibi harusi wake, le mari et la femme ensemble, muke na mume pamoja. Dieu tangible dans le millénium. Mungu ule anaweza kugusiwa mumiaka alfu. Ensemble avec son épouse. Pamoja na bibi harusi wake. Vous dites aussi amen à ça? Unasema amina pia kuiandiko. Ensemble. Pamoja. Lui en lui, lui en lui. Uyu ndani yake, uyu ndani yake. Le Christ identifié dans tous les âges. Ule Kristo aliyetambulishiwa mu bizazi biote. 39. Salasini na tisa. Donc vous voyez tout. Basi munaona biote. C'est Dieu devenant tangible. Ni Mungu mukuwa wakugusiwa. Donc, ni kusema, en ces grands jours à venir, mwile siku kubwa itakapokuja, quand Christ s'assera sur le trône de David, wakati Kristo atekala pa ile kiti ya enzi ya Daudi, pour le règne du millénium, kwa ajili ya kutawala kwa miaka elfu, c'est Dieu tangible sur la terre. Ni ule Mungu wa kugusiwa pa budongo. Il est maintenant en vous. Apa sasa ule Mungu eko ndani yako. Vous êtes ses attributs. Weye uko sifa yake. Et si vous avez la vie éternelle, na kama uko na uzima milele, votre vie a toujours été. Uzima yako kila mara inakalaka ko tu. Et vous étiez une pensée de Dieu. Na weye ulikuwa mafikiri ya Mungu. La couleur des cheveux, rangi ya nywele yako, et tout ce que vous êtes, na kyote kile wewe wiko, vous étiez une pensée de Dieu, ulikuwa kama fikiri ya Mungu, et vous avez été matérialisé, na ukajimwilisha, c'est tout, kunaisha. Donc le Dieu qui est en vous, manake, là, ule Mungu yako ndani yako ule, c'est comme ça qu'il est tangible dans le millénium. Jo vile eko na gusiwa mu miaka alfu. C'est compliqué. Inakuwa nguvu sasa hapa. C'est très clair. Iko wazi kabisa. Ah, Dieu t'a fait grâce de voir. Wewe Mungu anakufanyia neema mkuelewa. Nous verrons Jésus corporellement comme ça. Yesu tutamwona mumwili paka hivi mumwili. Et il dit encore que ça sera Dieu tangible en vous. Kisha anasema itakuwa ni Mungu ile anaweza kugusa ndani yako. Quoi prendre, quoi laisser? Nikia wapi tutabeba, nikia wapi tutacha. Tu, hein? Biote, hein? Ah, mm. Il faut être les Indiens. Inapasha ukwe mwindi. Manger tout. Kuria biote. Je verrai Jésus corporel. Amen. Tamona Yesu mumwili yake hivi. Amina. Ça sera Dieu tangible sous ma forme. Amen. Itakuwa ni Yesu ule, atakuwa ndani yangu bwana nigusa hivi. Amina. Dieu dévoilé. Mungu aliye difunua.
84. C'est comme la tribu. Iku savile ile sifa. Vous voyez, c'est en Dieu. Munaona iko ni ndani ya Mungu. Un attribut, c'est votre pensée. Sifa ni mafikiri yako. Dieu au commencement. Mungu kule mwanjo. L'éternel. Wa milele. Il n'était même pas un Dieu. Akukuyaki ata Mungu kule mwanjo. Il était l'éternel. Yalikuwaka wa milele. Il n'était même pas Dieu. Akukuwaka ata Mungu. Dieu, c'est un objet d'adoration. Mungu ni kintu kile beko na budu. Ou quelque chose comme ça. Wala kitu mwaki ya vile, munaona? Non, il n'était pas Nikusema, ça. Ashikukuwaka Mungu. Il était Elohim. Alikuwaka Elohim. L'éternel. Wa milele. Mais en lui. Wala kini ndani ya. Il y avait des pensées. Mulikuwa mafikiri, mafikiri. Il voulait mat. Il est alipenda kutoshea peupe. Na alifanyaka nini? Alors il a prononcé une parole. Il alisema tu neno moja. Na ile neno c'est matérialisme. Ikatimizika. Voilà tous les tableaux. Tazameni ile njo picha yote de la Genèse. Tangu mwanjo à l'Apocalypse. Kwenda fika ufunuo. Il n'y a rien qui cloche. Hakuna kintu kikuna kwala. C'est Elohim. Ni Elohim qui se matérialise. Ule pour pouvoir être touché, il y va mugusé, compatir, aweze kudiunga kumagumu. Et dans les millénaires, na mumiaka alfu, il y a Elohim, muko Elohim, assis sur le trône. Vous voyez, munaona, c'est exact. Nibiakweli, avec tous ces sujets autour de lui, na bantu bake bote kando kando qu'il yake, a prédestiné avant la fondation bale du monde. Alitayarishaka mbele ya misingi ya dunia. Ipedi amen. Sema amina. Elohim matérialisé. Elohim mukudifuanya muntu. De la manière qu'il soit touché. Munamna ya kusema bamuguse. C'est l'image qui déroule de la Genèse à l'Apocalypse. Ile njo picha ilianza tangu mwanjo paka ufunuo. Dieu voulait être touché. Mungu alipenda bamuguse. Et c'est accompli. Na ila ndiko ilitimizika. Aujourd'hui Elohim, Leo Elohim est devenu matériel. Anakuya mutu banaweza kugusa. Et c'est ça le millénium. Na ile njo miaka alfu. Pendant le millénium. Mon miaka alfu. Ça sera Elohim matériel. Itakuwa Elohim à travers de ses sujets. Kupitia bantu bake. Touche un peu Elohim à tes côtés. Omuguse Elohim ule kukumpembeni yako. Omuguse Elohim kumpembeni yako. La pensée d'Elohim. Mafikiri ya Elohim. Yenene endelea. De la Genèse. Ile ilianza tangu mwanjo. An Apocalypse. Kwenda kufika paka ufunuo. Il voulait devenir matériel. Alikuwa napenda akuwe muntu. Qu'on le touche. Banje kumugusa. Et c'est ce qui va être dans le millénaire. Nanjoki la takuwa mumiaka alafu. Tu es tangible. Mungu le banaweza kugusa. Matériel. Mwenye kudifanya muntu. Et là. Na pale. Je te rappelle la citation là. Na kukumbusha ile andiko ile. Quand il sera sur le trône de David. Pale atakuwa pale kiti ya enzi ya Daudi. Ça va être un trône littéral. Atakuwa mwili. Ça va être un trône littéral. Itakuwa kiti ya enzi kya kweli. Un homme. Muntu. Qui mange. Ule eko na kuria. Qui boit. Eko na kunywa. Qui serre. Serre un peu les mains de ule eko na lamukia. Lamukia kwanja Elohim kupembeni yako. C'est ça le trône. Jokiti ya enzi ile. Le trône du millénium peut saliwe. Kiti kya enzi kya mumiaka elfu kinaweza kulamukia muntu. Pe manje. Kinaweza kula ile kiti ya enzi. Pe boire. Ile kiti ya enzi naweza kunywa. Ce n'est pas une chaise, frère. Aina kiti kya mbao ndugu. Donc c'est réellement Dieu tangible. Manake ni Mungu le banaweza kugusa. Jésus était déjà loin. Yesu alikuwa kalisha pakaliwa. Mais ici au temps de la fin. Kwa lakini hapa kwa kati ya mwisho. Il doit oindre le saint
anapasha kupakala ule mutakatifu wabatakatifu. C'est quoi le saint des saints? Mutakatifu wabatakatifu ni nani? C'est le tabernacle qu'il va utiliser pendant le millénium. Ni maskani ila tatumia mumiaka elfu. Vous y êtes? Nanielewa? Dans le tabernacle. Manake ile maskani. Le trône. Ile kiti ya enzi. Le saint de saints. Mutakatifu wa batakatifu. C'est l'homme. Ni muntu. Ce sont ses sujets. Ni bantu bake. Parce que l'affaire du millénium se dit avec ses sujets. Kwani mambo ya kutawala kwa miaka elfu ni Mungu na bantu bake. Et ici, au temps de la fin, na huku wakati ya mwisho, le premier à être loin, c'est frère Branham. Wa kwanza ule alipakaliwa ni nduku Branham. Frère Branham est le tabernacle du millénium. Nduku Branham jo maskani ya miaka elfu. Jésus va s'asseoir là. Yesu atenda kuikala pale. Et si ce matin Dieu te fait grâce d'être loin, na kama asubuhi ya leo Mungu anakunemia unapakaliwa, tu es le tabernacle du millénium. Na weye uko maskani ya miaka elfu. Un Dieu tangible. Mungu le banaweza kugusa. Parce que la gerbe agitée, wani ile malimbuko iliyotingizwa, s'arrête ici. Inaishia hapa. Là toutes les semences sont en maturité. Kule mambeko yote irisha hivya. Dieu sera tangible. Mungu atakuwa kugusiwa. Dans ce sujet. Ndani ya bantu bake. Le problème c'est l'onction. Mambo ni upako. Alors dis à ton frère, il faut recevoir l'onction. Asa mweleze ndugu yako inapashwa upoke upako. Il faut que tu sois loin. Inapashwa upakaliwe. Amen. Amina. Le saint des saints est déjà loin. Mutakatifu wabatakatifu alisha pakaliwa. Vous connaissez la loi de la gerbe agitée? Munajua ile sheria malimbuko iliyotingizwa? Il a été dit. Balisemaka, quand tu apportes ta gerbe au temple, wakati, et que les sacrificateurs l'agitent, wakati utaleta malimbuko yako kuekalu na mkoani anaitingiza, de quatre côtés du temple, mangambo zote ine ya ekalu, si ta gerbe est agréée, kama malimbuko yako inakubaliwa, toi aussi tu y es agréé, na weye pia unakubaliwa. Et notre gerbe agitée, na malimbuko yetu iliyotingizwa, William Marion Branham, a été agréé, alikubaliwa, nous aussi, na sheye pia, nous sommes agréés, tunakubaliwa. Alors soyez loin. Basi pakaliwa. Qui peut dire amen, amen, sema, amen. Amina, amina, amina. Bon, je vais te donner encore une note. Takupatia tena ndiko ingine. Dieu chante-t-il de penser au sujet de sa parole. Eti Mungu anabadirishaka mawazo yake kuhusu neno lake. Paragraphe 94. Kifungu yake 94. C'est pourquoi njo kwa mana, toutes ces choses qui ont un commencement, ima bitu yote hii kuna mwanjo, doivent avoir une fin. Inapasha kuwa pia na mwisho. Tout péché doit finir par être anéanti. Zambi yote itafikia paka mukuteketezwa. Tout péché doit être détruit. Zambi yote inapasha kuharibiwa. Alors, sasa, lorsque viendra la résurrection dans ce glorieux millénium, wakati kutakuwa ufufuko mwile miaka alfu ya utukufu, nous n'aurons pas à renaître encore par les canaux de notre père et de notre mère. Atutakuwa tena na byakuzalika tena kupitia baba yetu na mama yetu. Mais Dieu, kwa lakini Mungu, tout comme il le fit au commencement, paka vile alifanyaka kule mwanjo, appellera l'homme de la poussière de la terre, ataita mutu kutoka mavumbi ya budongo, et s'accompagne avec lui, na mke wake pamoja naye. C'est juste. Ndia kweri. C'est ainsi qu'il fit au commencement. Ndio paka hivi alifanyaka kule kumwanjo. Il va reformer encore avec la poussière, atatunga tena na mavumbi, qui vient d'être purifié par la bombe,
Mavumbile na toka kutukuziwa kupitia kombora. Et nos théophanies vont de nouveau entrer dans le corps de chair. Na matéophanie yetu itaingia malengine tena mumwili ya budongo. Mais il n'y aura pas de célibataire. Kwa lakini bambalaka abatakuwako. Parce que ça sera chacun avec Ndu, sa compagne. Itakuwa kila mtu na wake bibi. Les célibataires, vous êtes là? Bambalaka, mukwapa. Mariez-vous jeune. Mwe bambalaka, shimba muwane biana. Alors, l'essence vraiment de cette citation. Amana kabisa ya yandiko. Si tu vis ici avec une femme qui n'est pas ta femme. Apa pabulongo, kama unaishi na bibi. Ule asina wako. En ce moment-là, tu connaîtras ta vraie femme. Mwile siku ile. Njo tajua bibi yako wa byakweli. Les erreurs du mariage seront corrigées en ce moment-là. Mankosa kama rio waka wa wenyewe. Kule njo watatengeneza wanakupa wako. Tu connaîtras ton vrai mari. Utajua sasa bwana yako wa byakweli ni nani. Tu connaîtras ta vraie femme. Na utajua sasa bibi yako wa byakweli ni nani. Qui peut dire amen? C'est ma amina. Oui, dans les millénium, les erreurs du mariage ndio mumiaka elfu rectifié. Mankosa ya ndoa batainyolosha. Chacun connaîtra sa vraie compagne. Kila mtu atajua bibi yake wa byakweli ni nani. Si tu vis avec une femme qui n'est pas ta femme, kama unaishi na bibi, c'est comme l'eau dans le sang. Ule ashina wako, Brahma anasema ikusamai mudamu. C'est incompatible. Ah, abipatane, abikubaliane. Alors c'est juste comme un mal de dents. Ikupaka savile malaria rino. Carie dentaire. Carie dentaire, hein? Ah, malaria rino. Parce que tu avais regardé la beauté physique. Ju wori angaria kabunyonyo kakunsula. On épouse le caractère. Bana owaka ni tabia aina buzuri bwa kunsula. Hein? Hmm? Sœur, ne regardez pas trop à la poche, le caractère. Ushangarie ku diniero, angaria ku tabia. Tu risques d'aller épouser un boxeur. Unaweza kwenda kuoana na mpika ndondi. Qui va s'entraîner sur toi? Tu connaîtras ton vrai mari au millénium. Na, kweri mumiaka elfu. Tu connaîtras ta vraie femme au millénium. Muke wako abiakweri utamujua ni mumiaka elfu. Alors soyez-en rassurés. Asa kwa na kikisho ya yo. De vivre déjà le millénium dans le mariage. Anzia po kuishi miaka elfu mundoa yako. Parce que quand nous disons tuju mu millénium, c'est pas tout le monde. Ju pale tunasema tuko mu millénium. Aina bote beko mu millénium. Il y a des gens qui vivent l'enfer. Uko bengine beko ni mugena. Oh Seigneur, si c'était à refaire. Eh bwana, kama ilikuwa tu kwa njulu la kwa. Si c'était à refaire. Kama tu nireza kwa njulu la kwa. Ah non, supporte. Ah ah, endelea na kuvumilia. Dans le millénium. Mumiaka elfu. Tu vas découvrir. Njo utavumbula wako wa byakweli. Amen. Amina. Alors, je vais faire les rapprochements. Alors, vous n'êtes caribisha. Entre les 70 semaines de Daniel. Kati ya mawiki sabini ya Danieli. Et le nouveau sacerdoce. Na kikoani kipia. Parce que nous avons vu lors du nouveau sacerdoce. Nous turiona muwakati wa kikoani kipia. Que lorsque quelqu'un a traversé ses parvis. Wakati mutu alivuka ima pazia. C'est le parvis extérieur. Idi wanja inje. Un homme qui reçoit la lumière naturelle. Mutulewo na pokea nuru ya kiasili. Tous ceux qui sont ici, ils sont éclairés par le soleil. Bote balebe kuapa banangaziwa na jua. Or,
avec la lumière ijapo, du soleil, ya jua, si y a les jours nuageux, kama ou plus masiko ya mawingo, ça n'éclaire pas jua bien. Yangazake sana zaidi. Ça, c'est le peuple qui est encore au niveau de la justification. Tandis que le lieu saint, il est wakati fasi takatifu, c'est les gens éclairés par la lumière de la chandelle. Ni bantu banangaziwa na ile nuru ya mushuma. Merci beaucoup. Or la lumière de la chandelle, ijapo nuru ya mushuma, eh bien, basi, c'est une bonne chose. Ni kitu vema. Mais walakini, si ce chandelier est ôté, kama hii mushuma inaondolewa, alors on devient païen. Basi unakuwa mupagano. Et c'est ce que nous avons vécu. Na ni ile tuliishi tuliona. Quand Dieu retire le chandelier, wakati Mungu anachukua kinara. Le chandelier c'est le pasteur. Kinara ni mchungaji. Quand Dieu retire les pasteurs, wakati Mungu anamchukua mchungaji, cet homme-là tellement qu'il n'était pas encore arrivé. Mchungaji ule mutu ule mutu ule vile bado alikuwa hajafika. Sa foi est ébranlée. Imani ya ule mutu inavunjika. Je ne prie plus bien. Mie nshombe tena mzuri. Depuis que le pasteur est mort. Tangia mchungaji alifariki. Moi vraiment ma foi a bougé. Mie huyu imani yangu inanitenka kabisa. Non, moi je venais à l'église pour cet homme là. Mi kama mianza wendo kanisa ilikuwa tu njua ule mtu ule. Comme il n'est plus là. Vile ya naenda anako tena. Pour moi c'est fini. Kwa ajili yangu binaishia hapa. Les chrétiens limitrophes. Mukristo wa kumipaka. Mais frère Branham dit il faut avancer. Lakini ndio mama tumena pasha kusonga mbele. Pour entrer dans les saints de saints. Kwa ajili ya kuingia mufasi takatifu zaidi. Dans les saints de saints. Mufasi takatifu zaidi. La lumière qui éclaire là. Nuru ile kunangaza mule ndani. C'est la Shekina. Ni Shekina. C'est-à-dire mana yake que le pasteur soit mchungaji akuepo ou qu'il ne soit pas wala asikuepo. Moi mie, je suis déjà arrivé. Nilishafika tayari. Quand nous parlons de l'onction des saints des saints, c'est cette dimension kuhusu upako ya mtakatifu wa mtakatifu ni ile cheo ile. Avant d'entrer dans le saint des saints, il y a les peaux de blaireau. Mbele kuingia mufasi takatifu zaidi kuko ile ngozi ya banyama. C'est ici la zone tampon. Ni hapa fasi ya kutambukia. Tu ne vas pas entrer sans d'abord accepter la peau de blaireau. Hautaingia bila kukubali ile ngozi ya nyama. Or la peau de blaireau. Japo ngozi ya ule nyama qui cache la gloire. Yenye kunafunika utukufu. C'est la chair humaine. Ni mwili ya muntu. Et frère Branham dit. Na ntuku Branham anasema. Cette peau dégageait des odeurs. I ngozi ilikuwa na nunka. C'est là. Ni pale. Si tu amènes les gens à te croire. Kama unafikisha bantu mukukuamini. La chose la plus difficile. Kintu kya nguvu sana zaidi. Amener un mortel à croire à un autre. Kufikisha binadamu amini binadamu mwingine. C'est ça la zone tampon. Ile njo kiwanja kutambukia. Qui te balance dans le sein de saint. Ile nakutupa mufasi takatifu sana zaidi. Dans l'âge, je veux dire, c'est ici William Branham. Mukizazi mitasema hapa njo peko William Branham. Tu crois il te traverse. Unamini anakuvusha. Dans l'assemblée ici c'est El Rash. Mumaskani ya hapa ni El Rash. Tu crois tu traverses. Unamini anakutambusha. Donc il faut approcher la peau de blaireau. Inapasha kukaribia ile ngozi. Pour être traversé dans le sein kwa ajili ya kutambushwa mufasi takatifu zaidi. Et c'est là. Nani pale. Vous allez très bien comprendre ça encore dans la pyramide d'Enoch. Utaielewa tena mzuri zaidi mu pyramide ya Enoki. Il y a sept escaliers. Muko bipandio saba. Qui ramène les gens de la chambre du prophète ici, là, Jean-Baptiste, la première venue. Bipandio ile na binapeleka batu mwitumba. Na tosha batu
Mwichumba ya nabii Yohana Mbatizaji unijua mara ya kwanza ya the chose. Oh là là, vous allez voir ça très très bien. Kuko mabitu eh mtaiona mzuri sana zaidi. J'ai promis que je vais enseigner ça. Nililaka sema taifundisha hiyo kumpembeni. Ça a été les zodiacs. Ça veut dire le fundisha mazodiac pembeni. Le problème c'est à ce niveau. Mambo yetu ni mwiki pimo kia hapa. Tous les gens qui viennent et de la première venue. Bale bantu bote be unakuya. Naba muiji wa mala ya kwanza. Et de la chambre souterraine. Naba muchumba ya chini. Ils doivent monter les 7 escaliers. Banapasha kupanda vipandio 7. Ça c'est une Bible. Hii ni Biblia. C'est en Egypte. Hii Biblia yako mu Misri. C'est Enoch qui l'a construit. Ni Enoch ndiye alijengaka. Après les zodiaques au ciel. Kisha zodiac mbinguni. Sur la terre la deuxième Bible. Babulongo Biblia ya pili. C'est cette pyramide. Ni pyramide hii. Quand vous terminez les 7 manches. Wakati unamaliza hii vipandio 7. Les 7 âges de l'église. Bizazi 7 vya kanisa. Vous trouvez les messagers à la porte. Utakutanisha mujumbe pamulango. William Marion Branham. Né le 6 avril. Mwenye kuzalika mwezi wa 6 siku ya 6 mwezi wa 4. C'est écrit sur la pierre où il est debout là. Pa ile ribu alishasimamia, alishayandika pale. Il te prend. Anakuchukua. Il t'introduit dans la chambre du roi. Anakuingiza mwile chumba ya ule mfalme. Quand tu rentres dans la chambre du roi. Wakati unaingia mchumba ya ule mfalme. Bien sûr en passant les premiers rideaux. Akika mutambuka pazia ya kwanza, pazia ya pili, pazia ya tatu. Tu as vaincu tous les rideaux. Unawina mapazia yote. Tu as vaincu le rideau de fer. Unawina pazia ya chuma. Tu as vaincu le rideau de bambou. Unawina pazia ya mashimbala. Et tu as vaincu le rideau de pourpre. Na unawina pazia ya zambarau. Tout ce qui n'est pas parole, c'est en dessous de toi. Yote ile haiko neno iko chini yako. Tu es dans la chambre du roi. Tu as traversé le premier pool. Unavuka mvuto ya kwanza. Le deuxième pool. Mvuto ya pili. Et le troisième na pool. Na mvuko ya tatu. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Ah, nini nafika? Quand on est dans la chambre du roi. Wakati uko mchumba ya ule mfalme. On doit voir le roi. Unapasha umuone mfalme. Et là. Na pale. Le roi. Mfalme, c'était une statue en ébène. Il y a un sanamu kule edeni. Du bois de ébène. Ah, il y a un sanamu ya mbawe ya ébène. Qu'on a placé là-bas. Le baliti ya kule. Un monastre. Monastre moja. De l'Orient. Wa kuasubui, padri wa kuasubui. En ébène. Mwenye kutunga mbawe ya ébène. Mais pour nous ici. Kwa lakini kwetu sisi hapa. Quand nous arrivons, wakati tunafika, le monastre n'est pas en ébène. Ule padre ule ana mumbawe ya ébène. Mais il est fait de l'or et du diamant. Walakini anatungwa na dhahabu na almasi. La divinité, Bumungu, et la divinité expliquée. Na Bumungu bulio fasiliwa. Parce que l'or c'est la divinité. Wani zabu ni bumungu. Et le diamant. Na almasi. C'est la divinité expliquée. Nayo pia ni bumungu ilio fasiliwa. Et quand vous entrez dans cette chambre na là. Na ukingia mui chumba hii. Le tombeau est ouvert. Kaburi keko wazi. La 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 la. Mule ndani mule 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 mule. Il y a un miroir. Muko kio. Et quand tu regardes na le miroir ukitazama mwile rikalashi qui reflète le monastre yenye kuna muondekanisha ule padri c'est toi ni weye Frère Branham dit Duku Branham anasema quand en esprit Jean est monté wakati, et il a regardé dans ce miroir. Wakati katika ro, Yohano alipanda na itazama mwile kiyo. Jean a vu Jean. Yohano aliona Yohano. Qui peut dire amen? Sema amina.
C'est-à-dire à ce niveau du saint de saint. Manake mui fasi takatifu sana zaidi. À ce niveau de la chambre du roi. Mui kipimo ya chumba ya hule mfalme. On n'adore pas les dieux de quelqu'un. Awabudu Mungu wa mtu mwingine. Alléluia. Alléluia. Quand tu arrives réellement. Wakati unafika kweli kweli. Pas juste une imagination. Apana kuwazia. Tu y es vraiment arrivé. Kweli kweli unafika. Tu n'as plus besoin d'adorer le dieu de quelqu'un. Hauna tena na lazima ya kuabudu Mungu wa mtu mwingine. Dieu c'est toi. Mungu ni wewe. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous me suivez très bien? Vizuri? C'est la raison de l'onction du Saint des Saints. Je sababu ya ile upako ya mutakatifu wa batakatifu. Je crois que ce matin, na mimi nakwamba asubuhi ya leo, cette onction des Saints des Saints, upako wa mtakatifu wa batakatifu, va t'introduire dans la chambre du roi. Itakuingiza mchumba ya ule mfalme. Va t'amener réellement. Itakupeleka kweli kweli. Le Saint des Saints. Mutakatifu wa batakatifu. Lisons quelque chose. Tusome kitu moja. La vision de William Branham. Maono ya William Branham. 110. Mia kumi. Quelque chose s'est alors passé. Je me suis retrouvé en haut, au coin. Kitu moja kikapitikana. Nadikutanisha yulu mukona ya chumba. Observant mon corps. Niko nangaria mwili yangu. Se dirige vers ce lit. Mwili yangu ikunenda kukile kitanda. Et j'ai posé mes mains juste sur son ventre. Na mieka mikono yangu pantumbo yake tu. Exactement comme le Seigneur me l'avait dit. Kabisa kabisa paka vile Bwana alinielezeaka. Quand je fais cela. Nakani nilifa vile. Madame Nai est entrée dans la chambre. Bibi Nine akaingia mchumba. Elle a vu cela. Na kaona ile. Elle s'est de nouveau écroulée. Akanguka kifundifundi. Évanoui. Akanguka kifundifundi. Branham. Branham. Lors des manifestations. Mwakati wa maonekanisho. Il dit, moi je suis resté au coin. Anasema mi Branham nilibakia mwenye kushimama kukona. Et je vis mon corps. Pale miko mwenye kushimama kukona. Minona mwili yangu en train de partir. Ikunenda mie mina bakia kukona mwili yangu yoye kunenda. Jusqu'à imposer les mains. Inenda inaweka mikono. Et une sœur, madame Nai est entrée brusquement quand elle a vu na, deux Branham. Madame Nai nakaingia mara moja mchumba akaona ba Branham ba bawiri. Et c'était valu. Na akaanguka kifundifundi. Dis à ton ami, tu es double. Umweneshe rafiki yako asema pale wiko uko maradufu. En réalité, la divinité n'habite pas dans la théophanie. Mukweli bumungu abuishi mu théophania. C'est dans le corps. Buko ni ndani ya mwili. La théophanie Branham reste à côté, mais Dieu part avec son corps. Théophanie ya Branham inabakia mukona. Mungu anenda na mwili ya Branham. Il dit, je lui ai prêté mon asema, corps. Niri mukongosha mwili yangu. C'est pourquoi les adorateurs de Branham, c'est l'insuffisance seulement de l'enseignement. Ni kwa mana, benyeba na mwabudu Branham, ni kukosa tu kwenesha kwa mafundisho. Parce que maintenant, là. Njou, apa. Branham est redevenu le précieux frère. Branham acha kururia nduku adamani, théophania. Nous n'adorons même plus Dieu dans frère Branham. Atwabudu ata mungu ndani ya ndoko Branham. Parce que ce corps-là n'existe plus. Il est mouillé. Aïna kotena. Se retourner à la poussière. Irisha kururia kumavumbi. Il est redevenu la théophanie. Arisha kururia théophanie. Un jour, peut-être par la grâce de Dieu, on va démontrer comment la théophanie elle-même
devient le Saint-Esprit. C'est pourquoi vous n'aurez plus besoin du Saint-Esprit. Créons l'homme à notre propre image. Qu'il soit à notre propre ressemblance. Quand tu atteins la dimension théophanique, là c'est autre chose. Vous me suivez très bien? Frère Branham, nous vous présentons comme lieu d'adoration aujourd'hui, comme tout ce que Dieu a fait aujourd'hui. C'est pour élever la foi. Mais à la minute précise, Branham n'a plus ce corps-là. Branham, ashina tena na ile mwili ile. Vous adorez où? Sasa uguna budiwa wapi? Amen. Amina. C'est là où je t'amène. Njo kule niko nakupeleka. Dans Apocalypse chapitre 4 deuxième partie. Mufunu osuleaki ya ine semu ya kapi. Unachoka? 272. Miambili sabini na mbili. Alors comment entre-t-on dans ces liens-là? Basi mwile fasi beko nengi amo. Rappelez-vous. Mukumbukeni. Il y avait un voile. Mulikuwaka pazia. Un voile suspendu. Pazia iliyo bandikwa. Entre le lieu saint et le saint des saints. Kati ya fasi takatifu na takatifu sana zaidi. C'est dans le saint des saints. Ni mufasi takatifu sana zaidi. Que Christ vient s'asseoir dans le trône de votre cœur. Njo mule Kristo eko nakuya kuikala mukiti ya enzi kya moyo yako. Christ Kristo est établi sur son trône. Anekala pakiti kake kya enzi. Je prends le Christ identifié dans tous les âges. Nachukua ule Kristo aliyetambulishiwa mbizazi biote. Là, 40 à 42, à 40, il dit. Arubaïn ou Fikarubaïn Ambile, Ansema Ivi. Qu'est-ce? Ninini. Quand un homme traverse ses voiles et entre dans la gloire de la Shekinah aujourd'hui. Wakati mutu anatambuka ile pazia na anaingia mutukufu ya Shekinah leo. Le monde le taxe de fanatique. Dunia inaanza kumuita ule mutu muchupafu. Il n'arrive pas à voir ce qui cloche. Mais là derrière, il n'a pas de beauté. Lakini kule nyuma hakuna urembo. Peut-être qu'il ne prononce pas correctement ses mots. Sangine aseme mzuri maneno yake. Peut-être qu'il ne s'habille pas vraiment comme il faut. Sangine avale vile natakiwa. Peut-être. Sangine. Il ne porte pas de tenue de membre du clergé. Avale mavazi ya wanamemba wa kanisa. Peut-être. Sangine. Il ne s'habille pas comme on pense qu'il devait le faire. Avale mnamna ile batu banawazia sima na pasha kuvuala. C'est peut-être ça. Sangine ni ile. Mais vous voyez? Kwa lakini mnaona? À l'intérieur. Mule ndani. Derrière cette peau de blaireau. Nyuma ya ile ngozi ya mablero. Derrière cette peau humaine. Nyuma ile ngozi ya muntu. Il y a là la gloire de la Shekinah. Pale kuko utukufu ya Shekinah. Il y a là la puissance. Pale kuko uwezo. Il y a là la parole. Pale peko neno. Il y a là le pain de proposition. Pale peko mkate. Et la gloire de la Shekinah. Na ile utukufu ya Shekinah. Qui est la lumière. Yenye nakuwa nuru. Qui forme la lumière. Yenye natunga nuru. Qui fait mûrir les grains. Yenye kona ivi shambeko. Vous les gens de Kansas. Nini watu wa Kansas. Non, de Lubumbashi. Nini watu wa Lubumbashi. Vous les savez. Munajua mzuri le mambo. A partir de culture de blé. Kutokea malimo ya ngano. Sans ce soleil. Bila ijua. Cela ne va pas s'épanouir. Ile ngano haitaota mzuri. L'homme qui est dans le sein de saint mange un pain particulier. Manake mutu ule kumufasi takatifu zaidi. Zeko nakula mkate ya kipeke.
la même parole prêchée par les mêmes pasteurs. Ile neno moja moja ilio ubiriwa na mchungaji moja. Mais lui il écoute ça différemment. Lakini yeye yako naisikia namna ingine. Il est déjà arrivé. Tayari alisha fika. Et là sur l'arche. Na pale pasanduku. Il y avait une assiette de pain de proposition. Palikuwa kasani ya mkate. En ce temps-là. Mwile wakati ile. C'était le pain approprié au sacrificateur. Ilikuwa mkate ilio stahili paka bakoani. Pour un certain peuple. Kwa ajili ya taifa fulani. Une certaine classe. Kwa ajili ya cheo fulani. Mais David. Walakini Daudi revenant de la guerre mukururia kutoka kumvita il avait pas d'autre pain à manger akukwaka mkate ingine ya yekula il a pénétré le saint des saints akaingia mufasi takatifu sana zaidi il a pris le pain de proposition akabeba ile mkate ya wakoani il l'a mangé akaikula et il n'était pas frappé na akupigwa pana laisse moi te dire na ce matin acha nikuelezea asubuhi ya leo si l'onction te place kama upako inakuti dans le sein de saint tu vas sortir de cette église capable de toucher à ce qui ne t'appartenait pas même si cette bénédiction n'était pas à ton niveau mais à cause de l'onction du saint kwa ajili ya upako ya mutakatifu wa batakatifu mange ce pain hapa sasa kula ile mkate ile recevez cette élévation là pokea ile cheo ile je le déclare au nom de Jésus na itangaza mujina ya Yesu Kristo avec la présence de l'onction na uwepo ya upako ile kona pakala mutakatifu wa batakatifu sema amina amina quelqu'un dit alléluia alléluia. Oui, monsieur. Dio jamani. Dieu te donne. Mungu anakupatia. Même ce que toi tu ne pouvais pas manger. Ata ile we ya kuweza kakula. Accepte-le, dit amen très fort. Oui, kubali na sema amina nguvu zaidi. Gloire à Jésus. Utukufu kwa Yesu. Alors ce pain là. Alafu imkate hii. Avec la présence de la gloire de Shekina. Na uwepo ya utukufu ya Shekina. Ne pourrissez pas. Vous êtes dans la même assemblée. Muko maskani moja. Vous écoutez les mêmes pasteurs. Muko na mshikiliza mubiri moja, mchungaji moja. Mais ton écoute. Kwa lakini kushikia kwako. C'est différent des autres. Kuna achana na kushikia kwa bengine. Les autres mangent ça comme un pain naturel. Bengine beko na ikula kama mkate ya kiasili. Mais toi tu le manges comme le pain de proposition. Kwa lakini wewe unaikula kama mkate ya mkoani. Quelqu'un dit amen très fort. Sema amina nguvu zaidi. Oui monsieur. Ndiyo jamani. Parce que ce message est accompagné du surnaturel. Kwani hii ujumbe napelekwa na ya kiasili. Et le surnaturel. Na ya kiasili. N'agit que là où il y a l'omnipotence. Ya yulu ya kiasili kunacheza, kunatenda pale peko uwezo yote. Oh l'omnipotence. Ijapo uwezo yote. C'est l'homme. Ni muntu. Savez-vous que l'homme est omnipotent? Munajua kwamba mtu yuko na uwezo yote. Un homme pleinement soumis à Dieu. Il est omnipotent. Mutu mutiifu kabisa kwa Mungu eko na uwezo yote. Commence seulement à te soumettre à Dieu. Weye anza tu kumuti Mungu. Dis à ta sœur, dis à ton frère. Eleza nduku yako, eleza tata yako. Kama tunamuti Mungu, tunakuwa penye uwezo yote. Umwelezeye tunakuya benye uwezo yote. Et quand l'omnipotent na wakati wa uwezo yote s'installe, anaditia, alors le surnaturel sasa, ya yulu ya kiasili peut commencer à agir. Inaweza kwanja kutenda. Pendant que je parle, wakati hili kuna le sema, surnaturel est en train ya yulu ya kiasili kuna zunguruka hapa. Il a quitté cette photo. Il s'est toka pa hii picha. Il est en train de faire ouch. Yeko nafanya ouch. 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 Il est sur qui la salle. Yeko na zunguruka. Là où il trouve l'omnipotence, alors les deux omnipotences se rencontrent, ça produit l'explosion. Alors que l'explosion vient, dans ton travail, dans tes affaires, dans ta famille.
famille, mon familia yako, mon imani yako, mon mapo yako. Je déclare au nom de Jésus, quel est surnaturel, touche l'omnipotence, et que ça déclenche le troisième pied. Alléluia. Amen. 42. Arubaini nambili. Et si nakama, vous ne passez pas derrière la peau de blaireau. Aupite nyuma ya ngozi ya bakapumbwe. Si kama, vous ne sortez pas de votre vieille peau. Amutoke mungozi yenu ya zamani. De vos vieilles pensées. Mumafikirize nuza zamani. De vos vieux credos. Mumakredo zenu ya zamani. Pour entrer dans la présence de Dieu. Kwa ajili ya kuingia muwepo wa Mungu. Point, point, point. Nukta, nukta, nukta. Alors. Parle ça. Pour celui qui est entré là-bas. Kwa ajili ya ula lingia. La parole devient une réalité vivante pour vous. Neno inakuwa. Amen. Ukweli mzima kwa ajili yako. Amina. Alors, vous êtes conscient de la gloire de la Shekina. Pale sasa ukuna dhamiri ya ile utukufu ya Shekina. Alors, la Bible devient un nouveau livre. Pale sasa Biblia inakuwa kitabu. Alors Jésus-Christ est le même hier, sasa aujourd'hui et éternellement. Leo, Diana, na, vous vivez dans sa présence. Ukonaishi muwepo wake. Vous mangez le pain des propositions. Mkate ya mkoani. Qui est offert en ce jour-là. Ile beko na leta mwile siku ile. Exclusivement pour le croyant. Paka tu kwa mwamini. Exclusivement pour des sacrificateurs. Paka tu kwa mkoani. Et nous sommes maintenant des sacrificateurs. Na tu kwa pasasa bakoani. Un sacerdoce royal. Ki koani kia ufalme. Une nation sainte. Taifa takatifu. Un peuple particulier. Taifa ya kipeke. Offrant des sacrifices spirituels à Dieu. Mukutole ya matoleo ya kiro kwa Mungu. Mais, kwa lakini, il vous faut entrer. Inamitaki wa mwingie. Passer derrière le voile. Mupite nyuma ya pazia. Pour voir Dieu dévoilé. Kwa ajili ya kumuona Mungu mwenye kujifunua. Et Dieu est dévoilé. Na Mungu alisha jifunua. C'est sa parole. Ni neno lake. Qui est rendu manifeste. Yenye inaonekana wazi wazi. La peau de blaireau Branham est là. Ingozi ya kapumbwe Branham est kwa hapa. Quand vous finissez à croire, le seul lieu d'adoration aujourd'hui, c'est dans l'homme Branham. Wakati unamaliza kuamini fasi ya upekee kuabudu leo ni ndani ya mtu Branham. Ça vous traverse dans le saint des saints. Inakutambusha mufasi takatifu sana zaidi. Vous voyez Dieu dévoilé. Pale unamwona Mungu mwenye kujifunua. Manifesté. Mwenye kuonekana. En vous-même. Ndani yako we mwenyewe. Dis à ton ami, Dieu dévoilé maintenant dans le nouveau sacerdoce, ça doit être toi-même. Dis ça. Dieu dévoilé. Ce n'est plus dans la peau de blaireau, ce n'est plus dans ses frères-là. Aina tena mungozi ya kapumbwe, aina ndana ule nduku Mungu mwenye kujifunua. Qui est Dieu? Mungu ni nani? Qui est l'homme? Muntu ni nani? Qui suis-je? Mie niko nani? Dieu dévoilé. Mungu mwenye kujifunua. Vous êtes là? Unanielewa? Vous êtes là? Uko unanielewa? Ah, je vais terminer ça. Tamaliza hii.
Des mères futures 445. Dans les milléniums, on sera de nouveau sous la fête des tabernacles. Dans le septième jour. Comme aujourd'hui, on est dans le septième jour. La fête des tabernacles était la dernière des sept fêtes juives. Karamu ya maskani, njwele kuwaka karamu ya mwisho, kati ya ile makaramu saba ya Kiyahudi. Et qu'est-ce qui se faisait pendant la fête des tabernacles? Na ni mambo kani likuwa na pitikana kamu ile karamu ya maskani? Les rassemblements autour de soi. Kukusanika kando kando yako. Chacun adorait sous sa propre tente. Kila mbutu alikuwa na budu chini ya ema yake. Le nouveau sacerdoce. Kiko wani kipya. C'est la fête des tabernacles. Njo karamu ya maskani. Ça t'amène tout simplement à devenir Dieu dévoilé. Inakupeleka ukue tu Mungu ule anadifunua. Dieu. Mungu. Adorant sous ta propre tente. Mukwabudu chini ya ema yako we peke. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, évoquer un temple qui a Dieu. Kama auna na Roho Mtakatifu alika. Alika ekalu ile iko na Mungu. Ne fais pas des aventures. Usifanye mizaa. Parce que quand tu adores Dieu là où il n'est pas, c'est l'idolâtrie. Ndu kama ngona budu Mungu fashila shina hapo. Yu asembe ngona budu sanamu. Mais quand tu es réellement arrivé dans les saints de saints, voilà qui... les voiles tombent derrière ton dos. Kama kweli kweli unafika mufasi takatifu sana zaidi, pazie na nguka nyuma ya mkongo yako. La mondanite derrière. Kidunia inabakia nyuma. Tie pressurize. Ulisha difanya pressurize. Usha kulifuchika. Voilà. Quand tu es pressurisé, unarifuchika, tu n'écoutes plus les sons. Ausikie tena ile makelele ya inje. Que ça soit des critiques. Il pate quoi bien kukudharau. Il ne s'habille pas bien. Sema chipale muzuri. Il n'est pas beau. Oh, ashira muzuri. Et tout ça, ça reste. Yote bile binabaki a nyuma. Tu es seul à seul dans la gloire Uko de la Shekina. Uwe peke ndani ya utukufu ya Shekina. Tu adores Dieu qui est en toi. Uko na budu ule Mungu eko ndani yako. Qui peut dire un amen très fort? C'est ma amina ya nguvu zaidi. C'est là. Ni mule ndani, mule. C'est le but de mes enseignements. C'est là. Jo kifukuzio cha mafundisho yangu ni mule ndani, mule. Que tu arrives là. Ufikie mule ndani. Parce que quand tu arrives là. Nju wakati unafika mule ndani. Tu crées des choses. Utaanza kumba bintu. Tu ne pleures pas pour quelque chose. Autanza kuririria nju ya kintu fulani. Tu vas parler. Wo utasema tu. Et tu vas attendre. Na utasubiri. Ah mais tel jour, non, j'avais déjà appelé ça, c'est en route. Ah kintu fulani, nilisha kiita, kitafika, kiko munjia. C'est en route. Kiko nakuya. Tu crois tellement à ça que le monde commence à te voir comme un fou. Unamini kabisa ile na dunia inaanza kukuona kama wa mazimu. Comme un fanatique. Kama mushabiki. Ils te comprennent plus. Abakuelewe tena. Tu es arrivé à cette dimension. Ulishafika mwile kipimo ile. Tu ne connais pas les choses. Aujue tena mabintu ya chini. Les voiles là est tombé derrière. Pazia ile shanguka nyuma. Voilà l'onction des saints des saints. Tazama ile njo upako ya mutakatifu wa batakatifu. C'est ce que tu dois être. Njo kile unapasha kuwa. C'est ce que tu dois devenir. Njo kile unapasha uwe. Je vais lire la dédicace, mais après prenez quand même ceci, paragraphe 438. Tazama mutinduo kwanza mchukue hii kifungu yake ya 430 na nani makao itakapokuja.
Enfin, nous clôturons avec la dédicace. Alors, tu as malise en Mozindo. Demain, futur 438. Mais celle-ci n'en a pas. La Bible dit. Et là, il n'y avait pas de temple. Mais le Seigneur Dieu. L'agneau en est le temple. Na ule mwana kondo nywe kwe kalu ya yake. Le temple réellement c'est l'agneau. E kalu ya biakwe li ni mwana kondo. Les Juifs sont en construction. Bayahudi beko na jenga. C'est bien. Ni muzuri. Leur troisième temple physique. E kalu ya bo ya tatu ya matafari. Ils vont commencer. Batanja kujenga. Ils se battent pour que Beko na pigana ili. Ils reprennent ces lieux-là. Bachukwe tena ile fasi ile. Le mont du temple. Ile fasi ya ikalu. Gachom Chalmon avait amené déjà la pierre depuis le mont Sinaï. Gershom Salomon acha letaka ribwe tangia mlima Sinaï. Ça y est là. Ile ribwe kopale. Ils ont déjà préparé les ustensiles du temple. Basha tarisha ma vyombo ya mwekalu. Ils vont bâtir ce temple. Batajenga ile ekalu. Mais kwa lakini le vrai temple c'est l'agneau. Ekalu ya biakweri ni mwana kondo. Quand il va se présenter à eux, wakati atajijulisha kwabo, c'est ça le vrai temple pour leur adoration. Ile njo ekalu ya biakweri kwa ajili ya kuabudu kwabo. Il y a les gens des nations qui envoient l'argent kuko batu ya mataifa beko na tuma pesa ili bayahudi bajengele ekalu ya tatu. Moi je ne suis pas là. Milo wangu shina takule. Le vrai temple c'est l'agneau. Ekalu ya biakweri ni mwana kondo. Parce que j'ai fait, vous pouvez entrer sur le net, vous tapez le mont du temple. Unaweza kuingia kuneti unaandika ile mlima ekalu. On va te donner toutes les informations. C'est la cabale juive en relation avec les conseils écuméniques. La cabale juive, c'est une secte. C'est pas les vrais juifs. Une secte magique des juifs. Qui en relation avec le conseil écuménique, en réalité, ils veulent construire un grand temple maçonnique. Comme tous les chrétiens du monde ont les yeux tournés vers Jérusalem, ville ba Christo bote ba mudunia mzima. Mecho ya bwesha kuelekea paka kule ku Yerusalema. Alors en officiel ça va être un temple de juifs, mais en sous-bassement un vrai temple de freemasons. Wazi wazi hivi itakuwa ni hekalu ya bayahudi kwa lakini chini chini itakuwa ni hekalu ya bafrancs-maçons. Et frère Branham ne nous a pas dit na ndugu Branham ashikutuelezea de prendre les rituels du judaïsme et amener ça chez nous. Tubebe mabisela ya kiyuda na tukwetu lete kwetu huku. Fais beaucoup d'attention. Mukebe ange sana zaidi. Les églises sont tombées dans les pièges. Makanisa elisha kuanguka mwile muteko. En pensant que c'est l'amour d'Israël. En sous-bassement, c'est une autre adoration. Au moment où nous sommes, nous devons reconnaître Israël seulement comme l'horloge. Comme le calendrier. Voir ce qui se passe chez eux là-bas et nous préparer. Mais prendre le rite du judaïsme et commencer à les appliquer, ce n'est pas la parole. Il a connu, non? Branham a dit tout simplement que Israël va écouter ces messages. Branham alisema tout Israël atashikia hii ujumbe. C'est nous qui donnons quelque chose aux Juifs. Nisheye njo tunapatia kitu moja bayahudi. Les Juifs n'ont rien à nous donner. Bayahudi abana na kintu ya kutupatia sheye.
mina. L'agneau est le temple. Mwana kondo njo ile ekalu. Le vrai temple est devenu humain. Ile ekalu ya biakwe irisha kuwa muntu. D'accord. Ndio. Je finis avec la dédicace. Na maliza na mzindu. Prêchez le 11-11-62. Il y a l'oubli moutaré, il y a Kumina Moja, moins à Kumina Moja, moi Kwastina Mbili. 34. Salassini, Naine. La dédicace, je vais vous dédicacer. On va Zindu, on t'a mis tolé, on a tout à Malisa. Parce que c'est ce que fait l'onction des saints des saints. Quand tu es loin, tu es dédicacé. Quand on a pas caliwa, manaïko le chatolé. Dis à ton ami, nous voulons sortir ici, chacun adora sous sa tente. Ou mwelezer afiago, tu nafiago toka, pa kila muntu mkwabudu, chini ya ema yake. Chacun va adorer sous sa tente. Kila muntu atabudu mwema yake. Mama yebisa mama. Mama, ou mwelezer mama mungina, sema apa. Motona muta sambe la nzambe na kati na ye. Kila muntu atabudu mungu, ule kondani yake. Transmettez le message. Umwelezeye. Les autres sont en train de rêver. Bengine apa beko na lota. Mais sachez que là où il n'y a pas Dieu, on ne peut pas adorer parce que ça sera Satan. Yua sema facile apa na mungu, abata abudu, patakwa ni shetani. Dédicace. Paragraphe 34. Quand les Lévites, celles et ces groupes consacrés pouvaient porter l'arche. Wakati wale walawi, ni paka ile nkunji ya wale ndio waweza kuchukua sanduku ya agano. Personne ne pouvait la toucher en dehors d'eux. Hakuna mtu mwingine aweza kugusa ile sanduku ya agano isipokuwa tu walawi. Si quelqu'un le faisait, il mourait. Kama mtu anagusa ile sanduku alikuwa nakufa. Et ils prenaient ces tringles, sachant qu'ils étaient consacrés au service pour cette chose particulière. Il a soulevé à partir de ses tentes. Il se mettait en marche. Et la trompette sonnait. La fumée montait. Il descendait à travers les bâtiments. Ndani ya majengo, la dédicace kutolea, jusqu'à ce qu'ils ont porté cela à son lieu de repos. L'Éternel descendit à cet endroit au point que cela remplit tous les temples. La colonne de feu nguzo ya moto entra là-dedans ilingiaka mule ndani, avec une telle gloire de Dieu na utukufu kubwa ya Mungu, que les ministres ne pouvaient plus faire les services à cause de la gloire de Dieu. C'est lorsqu'elle trouva son lieu final de repos que la gloire de la Shekinah, la pierre fêtière, pas celle de l'angle, la pierre fêtière, la chose principale. Mais cette pierre principale était dans son lieu de repos pour cette génération-là. Il y a mufasi yake mapumziko kwa ajili ya kile kizazi kile. La gloire de Dieu. Utukufu ya Mungu. Rempli les lieux où ils étaient. Inaiaza pafasi ile balikuwa. Et la gloire de Shekinah était sur tous les bâtiments. Na utukufu ya Shekinah ilikuwa pa majengo yote. Bon, alors maintenant. Basi sasa. Prenons. Tuchukueni. À partir de la dédicace. Kwanza mukutolea. Il y a acte 7. Matendo saba. Comment Salomon a construit le temple? Namna gani Salomon alijenga hekalu? Et Dieu avait promis à David. Na Mungu alimulaka Daudi. Qu'il construirait le temple. Asema atajenga hekalu. Et Dieu a accompli cela. Na Mungu alitimiza ile. Et nous trouvons que. Na tunaona ya kwamba. Après que ceci a eu lieu. Kisha hii kufanizika. Etienne a dit. Etienne alisema. Le très haut n'habite pas. Wa milele aketi. Ce qui est fait des mains d'hommes.
Mais tu m'as formé un corps montrant que Dieu allait habiter dans un corps. Et quand ce corps avait été offert en sacrifice, Dieu vint dans son propre corps qui était son épouse. Et il y avait 120 temples. Na mulikuwa maekalu 120. Vous suivez? Unafuata? Le corps là s'est donné en sacrifice. Ile mwili ile ilijitoa matoleo. Dieu prend un autre corps. Mungu anachukua mwili ingine. 120 temples étaient même là. Maekalu 120 ilikuwa pale. Son épouse. Bibi harusi wake. Quelle fille Dieu. Mungu alifanyaka nini? De la même manière que l'arche reposait sur ses propres socles. Mwile namna moja moja sanduku ya gano ilikala pa misingi yake mwenyewe. Pour le message de ce jour là. Kwa ajili ya ujumbe ya ile siku ile. Dieu reposa dans son propre canal. Mungu alitia mufereji yake mwenyewe. Non pas une dénomination ou dans un bâtiment fait de main d'homme. Hapana muzeebu wala majengo iliyotungwa na mikono ya watu. Mais dans le cœur de l'homme. Walakini mumoyo ya mtu. Il entra dans son lieu le dernier jour. Aliingiaka mufasi yake siku ya mwisho. Ainsi qu'il a dit au prophète Joël. Nidi alielezea nabii Yoeli. Il arrivera que dans le dernier jour. Itafika ya kwamba masiku za mwisho. Je répandrai ma shekina. Tatapanya shekina yangu. Sur toute chair. Pa kila mwili. Dans le cœur de son peuple, manake mumoyo ya taifa yake, où il trouve le repos. Mule anapata mapumziko. Je saute, mais vous pouvez lire tout entier là-bas. Na luka kwa lakini nini nyumbani mnaweza kusoma yote. La gloire de la Shekina. Ile utukufu ya Shekina. Sur eux. Ilichuka yulu yabo. Voilà donc Dieu dans son temple. Tazameni ule njo Mungu mwekalu yake. Dieu dans son temple consacré. Mungu mwile kalu yake iliyotolewa. 40. Arubaini. Oh, hey. C'est stupide aux yeux des gens. Ni abubu mbafu mbele macho ya watu. Ils ne saisissent pas cela. Wale awaelewe hii. Ils ne sont pas nés pour saisir cela. Hawakuzalika kwa ajili ya kuelewa ile. Ainsi ne le saisiront pas. Hivi basi hawataielewa. La Bible le dit très bien. Biblia inasema vizuri kabisa. Dieu remplit toujours son temple. Mungu kila mara anajazaka hekalu yake. Il remplit son temple. Anajazaka hekalu yake. Au jour de la dédicace. Usiku ya matoleo. Il le remplit de sa personne. Anajazaka. De même aujourd'hui, vile vile tena leo, Dieu Mungu remplira atadiaza chaque temple kila ekalu, qui se consacrera yenye tajitolea complètement à lui. Kwa ujumla kwake. Le temple, ekalu, ce n'est pas ce petit bâtiment. Aiko I majengo kidoko iko hapa. Le temple, ekalu, ce n'est pas celui qui est à Lac City. Aiko ile ko Lac City. Le temple, ekalu, n'est pas celui qui est à Rome. Aiko ile iko ku Roma. Le temple, ekalu, c'est vous. Ni weye. Vous êtes weye wiko. Le temple, ekalu, dans lequel mule Dieu veut habiter. Mungu anapenda kuketi. Et par lequel na kupitia ile il veut s'exprimer. Anapenda asemeye. Afin que ili toutes les nations maekalu yote, ma taifa yote puissent le connaître. Ipate kumjua. Vous êtes uko les images picha vivantes zima de Dieu ya Mungu par lesquelles kupitia ile mapicha Dieu veut travailler. Mungu anapenda kutumika. Et à tout moment que tout homme ou toute femme na muwakati yoyote kila mwanaume na kila mwanamuke oubliera toute la fausseté qu'il a entendu dans le monde atasabu mbya bongo byote bila alisikiaka mudunia et qu'il se conformera aux écritures na atadiambatanisha na andiko et s'en tiendra à elle tout comme Salomon se conformait à ce que Moïse avait fait na tambatana na andiko paka vile Salomon aliambatanaka na bile Musa alifanyaka. Dieu a toujours honoré cela. Mungu kila mara aliheshimia ile. Est-ce que vous suivez bien? Et tu n'as pas ta vizuri. Il y a des gens qui sont nés pour ne pas comprendre. Kuko bantu bale barizali kaka ili basielewe. Mais toi tu es né pour comprendre. Lakini wori zarika njuelewe. Branham veut que tu comprennes qu'aujourd'hui le temple c'est vous. Branham anapenda welewa sema leo ekalu ni weye. Oubliez tout
tous les enseignements de la fausseté que tu avais écouté dans le monde. Accroche-toi aux écritures. C'est Branham qui parle. Il dit, quand vous oubliez tout et que vous vous accrochez aux écritures, Dieu va honorer cela. Alors, si nous retournons à la dédicace originale 41, et nous ouvrions nos cœurs, na tunafungula mioyo yetu, que nous nous vidions en même temps, tunajipunguza mwakati moja moja, que nous les offrons en consécration à Dieu, na tunatolea mioyo yetu kwa Mungu. Maintenant là, il remplira notre temple de sa gloire, de la Shekinah. Atajaza ekalu yetu na utukufu yake ya Shekinah. Alors le Dieu vivant, pale sasa ule Mungu mzima, se mouvra dans une église vivante. Atakuwa na tenda mukanisa mzima. Parmi un peuple vivant. Katikati ya taifa mzima. Et il répandra sa gloire. Na atamimi ya utukufu yake. Il s'agit de l'idole vivante en mouvement. Ape nangalia sanamu mzima katika matendo. Quelqu'un qui est là encore en train de marcher, parle, mumili, tembea, en train de parler, sema, en train de faire les choses, tenda Dieu répand sa Shekinah là. Mungu anashusha Shekinah yake pale. Alors, pale sasa, ensemble, pamoja, un de ce jour, moja ima siku, chacun étant comme ceci, l'autre comme cela. Kila mmoja mkuu kama hivi, mwingine kama vile. Parce que tout le monde ne sera pas de la même manière. Kwani bote hatakuwa kwa namna moja. Dieu travaille avec la nature de la personne. Mungu anatumikaka na asili ya mtu. Alors chacun dans un coin du pays. Kila mmoja mkila kona ya inchi. Elle se rassemblera pour former l'épouse. Watakusanyika kwa ajili ya kumtunga bibi harusi. Nous serons enlevés dans les airs pour les rencontrer. Tutanyakuliwa ewani kwa ajili ya kutanishana naye. Maintenant. Sasa. Cette belle église. Ile kanisa mnyonyo. Ce bâtiment que les gens. I majengo hii watu. Par les témoignages de leur vie. Kupitia maushuda ya maisha yabo. Par leur amour pour Christ. Kupitia mapendo yabo kwa ajili ya Kristo. Les adorateurs. Wa abudu consacre aujourd'hui ces lieux d'adoration. Wanatolea leo ifasi ya kuabudu afin que les gens puissent venir y adorer. Ili watu wakuye kuabudu kuabudu pa ile fasi. Eh bien, ma sincère prière. Basi maombi yangu ya unyofu. C'est que chaque adorateur. Ni kusema kila muabudu. Est-ce que les adorateurs vous êtes là? Eti wabudu muko hapa? Les vrais adorateurs, n'est-ce pas? Wabudu wa kweli si ni vile? Est-ce que vous êtes là? Eti muko hapa? Parce que c'est à vous que Branham parle. Ni kwenu nini ndio Branham yako nasema? Ma prière sincère. Maombi yangu ya unyofu. Que chaque adorateur. Kila muabudu. Consacre son propre temple. Atoleye ekalu yake ye mwenyewe. Pour adorer. Kwa ajili ya kuabudu. Dans le temple qui est consacré pour l'adoration. Ndani ya ile ekalu ilitolewa kwa ajili ya kuabudu. Consacrez votre propre temple. Tolea ekalu yako we mwenyewe. Votre propre temple. Ekalu yako pour l'adoration. Kwa ajili ya kuabudu. Les vrais adorateurs. Babudu babia kweri. Ils n'iront pas à Jérusalem chez Jésus de Galilée. Abata enda ku Yerusalem kwa ule Yesu wa Galilea. Ils n'iront pas à la montagne où Branham a été calqué. Awata enda kumlima mule wali mchapa Branham. Mais ils vont adorer le Père. Kwa lakini bata muabudu baba. En esprit. Katika ro. Et en vérité. Na katika ukweli. Après avoir accepté tout ça, kisha kukubali byote bile, Dieu te pénètre dans le sein des saints. Mungu anakuingiza mufasi takatifu sana zaidi. Où
toi-même tu consacres ton propre temple. Adorer le Père dans ton propre temple. Bon, j'ai déjà terminé. Ça c'est seulement les bonus. Divinité de Jésus 80 à 82. Divinité de 49. Quand Jésus disait aux disciples, voici comment prier. Wakati Yesu alikuwa anaelezea wanafunzi tazameni namna gani mnapasha kuomba. Notre Père aux cieux. Baba yetu aliye juu mbinguni. Jésus savait que les cieux là c'était en lui. Yesu alikuwa anajua sema mbinguni ile ilikuwa ni ndani yake. Ne priez pas notre Père aux cieux avec la pensée. Baba yetu aliye juu mbinguni na mawazo asema iko kule yulu. Il y a encore là je ne sais pas moi. Kuko mwili mwa kule yulu sijue kama je. Il y a rien là-bas. Kule yulu hakuna kintu. Là-bas, il n'y a rien. Kule akuna kintu. Rien que la fumée. Kuko tu moshi. Shimoko. C'est déjà là? Tayari ko pale andiko? Et cette même puissance. Na i uwezo moja moja. Ce même Christ. Uyu Christo moja moja. Le même, hein? Ils ne sont pas deux. Abana ba wiri. C'est même Christ. Uyu Christo moja moja. Banam di alléluia. Banam asema alléluia. Oh. Laissez ces fundamentalistes. Mwacheni wale wa kimisingi. Oubliez-les. Mubasabwe. Laissez-les, oubliez-les. Manake mubasabwe. Ceux qui ne croient pas. Balaba meaning qui réunit la puissance de Dieu. Balebe kuna katala uwezo ya Mungu. Dire qu'elle est fausse. Balebe kuna sema ni abia bongo. Mais kwa lakini la même puissance. Il est uwezo moja moja. Qui a appelé le monde à l'existence. Yenye iliumbaka dunia. Se trouve. Il est uwezo iko dans ces gens. Ndani ya ababantu. Qui ont le Saint-Esprit. Balebe kuna Roho Mtakatifu. La même puissance qui a appelé le monde uwezo, à l'existence. Uwezo moya moya ile riumbaka dunia. C'est-à-dire le pouvoir Manaki, de créer. Ile uwezo ya kuumba. Se trouve iko dans ces gens ndani ya abantu qui ont le Saint-Esprit. Bale beko na Roho Mtakatifu. C'est vrai. Libya kweri. Wame femme. Wanaume na wanamuke. C'est le moment. Njo wakati pour nous kwa ajili yetu de découvrir ya kuvumbula qui vous êtes muko banani. Découvrez qui vous êtes. Vumbuleni muko banani. Le diable shetani essaye de vous barrer la route eko na jaribu kumifungia njia vous disant que mukumielezea asema vous n'êtes qu'une petite poule mouillée uko tuka nkuku kakulobana vous ne l'êtes pas auna nkuku wa kulobana vous êtes weye wiko fils mwana na binti wa Mungu la divinité Bumungu n'est pas au ciel. Abuna kumbingu. Elle est en vous. Bumungu buko ndani yenu. Alléluia. Alléluia. Je sais. Najua. Que vous pensez. Ya kwamba mko na waza. Que je suis fou. Asema niko majimu. Mais. Kwa lakini. Laissez-moi vous dire quelque chose. Munyache nimeleze kitu moja. Écoutez, je vais continuer. Satan. Sikiliza, taendelea na kusoma. Quand j'enseigne ces choses, le diable te dit, tu n'es rien. Shetani unakueleza sema wewe kwa bule hauna na kitu. Tu n'es qu'une poule mouillée. Wewe utuka nkuku kakulobana. Toi tu n'es pas encore entré dans le Saint des Saints. Wewe haujaingia mufasi takatifu sana zaidi. Tu n'es rien absolument, regarde ce que tu as fait hier. Wewe kwa bule angalia mbele mankoso ulifanya jana. Voilà ce que tu as fait le mois passé. Angalia mambo ulifanya mwezi uliopita. Angalia angalia angalia. Na wanamdi c'est le diable. Nduba masema ule njo shetani. Il te montre tes fautes. Eko na kushontea mankosa yako. Il te montre tes failles. Eko na kushontea mabuzaifu kwako. Tu n'es qu'une petite poule mouillée. Weye uko tuka nkuku kaloko kakulobana. Ndugu Brahma anasema hauna nkuku wa kulobana.
Dis ceci à Satan. Mes fautes, mes erreurs, c'est avec mon papa. Mankosa yangu, mabuzaifu yangu, ni mie na baba yangu. Cela ne te regarde pas. Ile mambo haikuangarie. Parce que les anges, toi aussi Satan, tu es l'un des anges. Vous n'êtes pas concerné dans le salut ou la rédemption. Si en Éden, on a donné aux anges la garde de l'arbre de la vie éternelle, ce n'est plus aujourd'hui. Parce que la seule épée qu'ils avaient, à Sabino Canyon, cette épée-là est remise dans la main de William Branham. Aujourd'hui, Léo, l'affaire du salut, mambo ya okovu, l'affaire de la rédemption, c'est l'homme avec l'homme. Ni muntu na muntu. Toi, Satan, we shetani, ferme ta bouche. Funga kinywa kyako. Mes erreurs, mankosa yangu, ne te concernent pas. Aikuangarie. C'est entre moi et mon père. Yangu mie na Mungu wangu. Vous ne l'êtes pas. Aura nkuku wa kulobana. Vous êtes fils et fille. Uko mwana na binti wa Mungu. La divinité n'est pas au ciel. Bu Mungu abuna mbinguni. Elle est en vous. Buko ndani yenu. Laissez-moi vous dire quelque chose. Mwacheni nimeleze kitu moja. Frère. Ndoko. Abraham frappe trois fois sur la Branham chaîne. Mala tatu pa mimbari. Lorsque vous vous rendez compte, wakati unatambua, que le Dieu tout puissant, ya kwamba ule Mungu mwenyezi, vit en vous, eko naishi ndani yako, la vie immortelle, ile uzima ya shipo na lufu, j'ai, mi, donne ma vie, natoa maisha yangu, Zoe, Zoe, la vie de uzima Dieu ya Mungu est dans l'être humain. Iko ndani ya muntu. Il s'est tenu là-bas. Kulifanizika kule. Il s'est tenu là-bas. Il est le créateur de toutes choses. Eko mumbaji wa kila kitu. Il a créé la vie. Aliumba uzima. Les grenouilles. Biula. Oh, les abeilles. Les manyuki. Les canards. Bambata. Les poulets. Bankuku. Les animaux. Banyama. Il a tout créé. Aliumba kila kitu. Et rien de ce qui a été fait. Na hakuna hata kimoja kati ya bile bilifanizika. N'a été fait sans lui. Kilifanizika bila yeye. Qui? Nani? Christ. Christo. La divinité. Bumungu. Il fait tomber les plaies et tout au jour de l'Égypte. Mapiko na vyote kusiku ya Misri. Qui? Nani? Christ. Christo. Il a fermé les gueules de lion. Alifunga binywa masimba. Il a éteint l'ardeur du feu. Alizima tanuru ya Ils moto. Ils ont échappé aux tranchants de l'épée. Waliepuka kumakali ya mpanga. Ils ont ressuscité les morts de la tombe. Walifufuka kati ya wafu mkaburi. Qui? Nani? Christ. Nani? Christo. Oh là là. Hey, my. Qu'est-ce que ça va être? Il est à quoi nini? Qui est-il? Yeni nani? Christ. Christo. La divinité. Bumungu. Qui est en vous? Na, une contani yako. Yeah. Et frères et sœurs. Nanduku na dada. Cette divinité. Bule bumungu. Et en vous. Bukondaniyenu. Encore un peu de temps. Musubiri wakati kidoko. Et le monde ne me verra na plus. Dunia aitaniona tena. Mais vous. Kwa lakini mwe. Vous me verrez. Mutaniona. Alléluia. Alléluia. Vous me verrez. Mutaniona. Quand je serai avec vous. Wani takua pamoja na mweye. Même en vous. Atanda nienu. Jusqu'à la fin de l'âge. Paka na kumwisho ya kizazi. Christ est dans la crèche. Christo muzizi. Non. Apana. Christ est en vous. Christo ndani yenu. Alléluia. Alléluia. Nous n'adorons pas Christ dans la crèche. A toi budu Christo katika zizi. Mais Christ est en vous. Walakini Christo ndani yenu. Le Saint-Esprit. Rome takatifu. L'espérance de la vie. Tumaini ya uzima. Alléluia.
Alléluia. Le Mumbaji. Dieu lui-même. Peke. Habitant. Mukuishi. Dans l'être humain. Ce que nous serons. Qu'il est tout à kuaka. N'est pas encore manifesté. A qui a onekana bado. Mais nous le verrons. Walakini tout à kikua. Tel qu'il est. Tout à mouna vie eko. Car nous lui serons semblables. Kwani tout à kwa kufanana. L'esprit. Nae ro. Dans l'être humain. Dani ya muntu. Lève la main, dit amen, amen, amen. Alléluia, amen, alléluia, alléluia, amen, alléluia. Hey. Hey. Ce créateur. Uyu mumbaji. Qui a tout créé. Mwenye aliumba kila kitu. Est en vous. Eko njo ndani yako. Il n'y a rien de ce que toi tu veux que lui ne peut pas faire. Hakuna kimoja kati ya bile wewe unapenda yeye hawezi kufanya. Il a fermé la gueule de lion. Alifunga kabinywa ya masimba. Il est capable de fermer la bouche des critiques. Eko na uwezo ya kufunga kinywa cha bale beko na kushimanga. Kitana mene très fort. Sema amina ngovo zaede. Il a éteint le feu. Alijima moto. Il est capable d'éteindre toute malédiction qui arrive. Eko na uwezo ya kuzima laana yote. Nous adorons Christ en vous. Tukuna budu Kristo ule kondani yako. L'espérance de la gloire. Tumaini ya utukufu. Tu sors ici étant loin. Unatoka hapa mwenye kupakaliwa. Toi-même le temple d'adoration. We mwenyewe ekalu ya kuabudu. Pour adorer le Père. Kwa ajili ya kumwabudu Baba. Dieu vous bénisse. Mungu akubariki. Levez-vous que Dieu vous bénisse. Simama Mungu akubariki. Dieu vous bénisse. Mungu akubariki. Lève-toi. Simama. Je vais demander à l'onction. Mitaomba kwa upako. De te remplir. Akujaze. Que ces enseignements changent les choses dans ta vie. Ima fundisho ibadirishe bintu maisha yako. Ça t'amène plus près de Dieu. Ikupeleke karibu na Mungu. Être un Dieu dévoilé n'est pas facile. Kuwa Mungu aliye difunua haiko teke teke. Tu dois démontrer ce Dieu dévoilé à tout moment et partout. Unapasha kumuonekanisha ule Mungu aliye difunua wakati yote na pahali pote. Que Dieu t'amène au sein des saints. Mungu akupeleke mufasi takatifu sana zaidi. Qui t'amène l'onction des saints des saints. Akulete upako ya mutakatifu wa batakatifu. Que toi-même tu deviennes son temple. We mwenyewe upate kuwa ekalu yake. Que tu adores le Dieu vivant. Na upate kumwabudu le Mungu mzima. Dans ton cœur. Mumoyo yako. La puissance qui a créé tout se trouve dans la salle. Uwezo ile liumba kila kitu iko hapa mwikanisa. Je veux dire, laissez ta maladie ici. Mina pia kusema, acha ile magonjwa yako hapa. Laissez tes difficultés ici. Acha ile matatizo yako hapa. Tout ce que tu as comme problème. Mambo yote ile uko nayo. Considérez cela comme le feu où on a jeté Shadrach, Meshach, Abednego. Uione sa mumoto mule baritumpaka mo Shadrach, Meshach na Abednego. Et que l'onction des saints des saints est capable d'éteindre ce feu. Na upako ya mutakatifu wa takatifu na uwezo kuzima ile moto ile. Miku na kupeleka waamini bibintu ibi. Et crois que ce que Dieu va faire dans ta vie et dans ton cœur. Waamini kwamba bile Mungu atafanya maisha yako biko ni mumoyo yako. Hey, my. Tukunjamishe bichwa yetu. Tout a commencé en Genèse. Au sixième jour, Dieu créant l'homme. Au septième jour. Se repose.
Seigneur. Alléluia. Remplis-moi, Seigneur. Yawezekana alikuwa kijana kama wewe ama wa chini yako. Mais il a conservé. Lakini alilinda pendant 68 ans. Miaka makumi sita na nane. Il n'a pas trahi à la parole. Wala hakuzia kineno. Quand il a lu le prophète de son jour, Jérémie. Kati alisoma nabii wa siku yake Yeremia. Il a compris qu'il n'y avait plus de temps. Akaelewa kama wakati ilikuwa imeisha. Il a plongé dans la prière. Akajiingia ndani ya maombi. Il a plongé dans une vie de consécration. Akaingia katika maombi ya kujitolea Priant pour lui. Maisha kujitolea mkujiombea mwenyewe. Priant pour son peuple. Na kuombea pia taifa yake. Face à tous ces événements que nous voyons sur la terre. Mbele ya bibitu biyote tupiko tuko naona kudunia. Devant toutes les prophéties qui s'accomplissent. Mbele ya hii maunabi zote zikunatimilika. Quelle attitude tu prends? Uko na hali gani? Cela te donne quelle atmosphère? Ile inakupatia basi hali gani, mazingira gani? C'est le temps de nous approcher davantage de Dieu. Ni wakati wa kujitolea sana tena sana
Quand nous voyons des frères qui tombent à gauche, des sœurs qui abandonnent à droite, wakati nomba donona wandugu wananguka kushoto, wadada wananguka kuume, est-ce qu'on peut prier pour eux? Et tunaweza kuwaombea. Est-ce que tu peux prier pour un frère? Et tu n'es kuombea ndugu moya madada moya. C'est le temps de se donner à Dieu. Ni wakati wa kujitolea kwa Mungu. C'est le temps plus de prier. Ni wakati ya kuomba zaidi. De se consacrer. Ya kujitolea kabisa. Tu es censé être le temple d'adoration. Unapashwa na lazimishwa kuwa ekalu ya mabudu. C'est toi l'image vivante en mouvement. Wenjo picha iliyo mzima ikikuwa katika movement. Là où Dieu doit être adoré. Pale Mungu anapashwa kuabudiliwa. Est-ce qu'il est réellement là? Eti kabisa Mungu yuko ndani. Parce que l'onction des saints des saints est en train de wane. Juu pako ya patakatifu iko napaka watu. Dans cet enseignement, il y a une onction différente. Moi, mafundisho muko kabisa upako ya kuachana na zingine. Laisse que cette onction particulière puisse se saisir de toi. Acha upako ya kipekee ikushike. Que ça change les choses. Ibadilishe mambo yote. Que ça change dans ta vie. Ibadilishe bitu mashani mwako. Dans la vie de ta femme. Ndani ya maisha ya mke wako. Dans la vie de ton mari. Ndani ya maisha ya mume wako. Dans la vie de tes enfants. Ndani ya maisha ya watoto wako. Que cette onction vienne même dans ce que tu fais comme travail. Hii upako ifike kati ya bitu uko unafanya kama vile kazi. Tu ne peux plus rester le même après avoir suivi ces grands enseignements. Awasibaki yule yule kisha wewe kufuata mahubiri, mafundisho. Quand tu vois toutes ces grandes choses que Dieu a révélées. Wakati unaona bitu byote Mungu amefungua. Que Dieu te fasse grâce. Mungu akufanyizie neema. Avec nos têtes inclinées. Wakati kuna bicho tunakunjama. Nous allons prier alors qu'on chante un tout petit peu Tawala maisha yangu. Tutaomba wakati kuna imba Mungu tawala maisha yangu. Chanter de tout cœur. Imba na moyo wako wote. Comme une prière qui vient du cœur. Kama vile maombi natoka kabisa straight ndani ya moyo. Tawala mu maisha yangu. Tawala. Tawala mu maisha yangu. Yesu tawala. Maisha yangu Yesu tawala Yesu tawala Oh tawala mu matoto bangu Yesu tawala tawala Maisha yangu Yesu tawala Kanisa yetu Tawala Tawala mu maisha Yesu tawala Oh tawala mu kazi yetu Yesu tawala Tawala mu maisha Yesu tawala Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, tu es vraiment le Tout-Puissant, le Dieu de Frère Branham. Ce matin, tu es le Dieu de mon frère, tu es le Dieu de ma soeur. Tu es ici présent parce que je peux te sentir. Ce n'est pas que nous le pensons, mais nous pouvons même te toucher avec le doigt. Ta présence surnaturelle qui a appelé le monde à l'existence est maintenant dans
dans cette salle de réunion. Papa, touche. Papa, bénis. Papa, viens remplir les cœurs de toi. Remplis les cœurs de ma sœur. Remplis les cœurs de mon frère. Que cette onction véritable de la parole faite et chère change les choses. Viens dans leur vie. Leur temple est consacré à toi maintenant. Toi, la colonne de feu qui est venue oindre les saints des saints. Et nous avons vu dans la gerbe agitée comment ce saint des saints a été oint. Maintenant, oint mon frère. Maintenant, oint ma soeur. Qu'il sorte de cette assemblée une personne est changée. Touche les malades et que chaque malade soit guéri maintenant au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Père, qu'il soit libéré, qu'il soit délivré totalement, complètement, entièrement. Jésus, Seigneur, ceux qui ont besoin de la nouvelle naissance, descends. Viens. Touche. Remplis. Oh Père. Oh Dieu. Oh Seigneur. Oh Dieu tout puissant. Oh toi les grands surnaturels. Oh toi cette grande colonne de feu. Oh toi cet ange de l'éternel. Oh toi cette omnipotence. Oh toi les grands surnaturels. Change. Change. Convertis. Descends dans la matrice de cette assemblée et produis la nouvelle naissance véritable. Les fils de Dieu et des filles de Dieu, nés de nouveau, manifestés par la parole parlée et que le troisième but soit déclenché dans chaque famille, dans chaque foyer, dans chaque cœur, dans chaque homme, dans chaque femme. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Père, agis spirituellement, agis physiquement, agis financièrement, agis matériellement. L'ange de l'éternel, toi qui confirmes ce message avec ta propre présence, ne laisse, oh Dieu, aucune personne qui a suivi ces enseignements demeurer le même. Apporte quelque chose, Seigneur, qui fermera la bouche des critiques. Amène une dimension tout autre du surnaturel dans cette assemblée qui fermera la bouche des critiques. Tu puisses, oh Dieu, prendre place de cette mécanique et que la dynamique puisse apporter, oh Dieu, cette dimension de l'aigle. Alléluia. 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 Oh Saint-Esprit de Dieu, fais le travail maintenant. Alléluia. Oh Dieu tout-puissant, toi qui es venu dans la nuée de gloire pour confirmer ce troisième sacerdoce, toi le grand Melchisédek qui apporte le pain et le vin, qui change les choses,
Seigneur, change leur statut. Même ceux qui nous suivent en ligne, que cette onction les touche, que cette onction les positionne, que cette onction les bénisse. Cette onction qui est la véritable expiation, qui pardonne le péché. Oh Dieu Tout-Puissant, à toi les honneurs, à toi la gloire, à toi la magnificence, toi qui vis au siècle des siècles, à toi nos cris de louange, à toi notre adoration. Tu es digne, tu es digne, tu es digne. Notre Dieu est notre roi. Seigneur Jésus béni, qui sort ici avec une bénédiction spéciale. Seigneur Jésus pardonne. Seigneur Jésus guérit. Que les malades soient guéris. Que ce soit le sida, que ce soit le cancer, que ce soit la tuberculose, que ce soit la stérilité, que ce soit les malaria, que ce soit des fibromes, que ce soit les appendicites, que ce soit les hernies, toutes sortes de maladies sont délogées maintenant au nom puissant de Jésus. Oh Dieu, oh Seigneur, laisse que cette onction des saints amène un millénium dans nos vies, un millénium dans nos travails, un millénium dans nos maisons, un millénium dans nos vies de chaque jour. Reçois l'honneur, reçois la gloire. Toi qui vis au siècle des siècles. Jésus notre Sauveur. Pour cette assemblée, l'âge d'or soit déclenché. Pour cette église, l'âge d'or soit déclenché. Afin que, oh Dieu, notre tristesse soit changée en joie. Nous t'acclamons, nous te levons, nous te magnifions. La victoire est dans le sang, alléluia. Dans le sang de Jésus-Christ, mon Sauveur, la victoire. La victoire est dans le sang. Alléluia. En Jésus, la gloire à lui. L'agneau, gloire.